L'agent de l'Empire. Moi, faudra que je vois du coup, parce que j'ai mon perso solo à continuer. Oh, mon perso solo, je le continue pas tant que j'ai pas fini les 8 histoires. Enfin, les 7 histoires, je veux dire. Bah, c'est que moi, du coup, mon perso solo, je le continue parce que du coup, ça me fait l'histoire des. Une histoire des chevaliers Sith. Enfin, d'inquisiteurs Sith. Qui sera faite au moins. Inquisiteur Sith, c'est sorcier, ça? Non, c'est pas sorcier, moi. Toi, tu me mets le doute avec tes conneries à chaque fois, toi. Non, mais. T'es avec Dark Paras, toi? Ouais. Bon, bah, c'est guerrier Sith. Ok. C'est guerrier Sith, double sabre. Oui. Un sabre dans chaque main, quoi. Yep. Mais c'est quelle classe qui a le double sabre à la Dark Maul? Le sorcier Sith. Un Ok. des Je sorciers Sith. pense que prochain personnage que je ferai après le nôtre et après mon solo, je ferai bien le sorcier du coup. Ben, mon solo, moi, je fais avec ce que j'ai commencé. Mais ce que je me dis, bon, ça va pas être pour tout de suite, de toute façon, qu'on ait terminé ces persos-là, déjà, nos Jedi. Mais tu voudrais qu'on se reprenne des persos à faire ensemble, après? Voilà, j'ai pris la quête d'histoire et je descends sur 20 000 villes. À Balmora. Ah bon, la planète s'appelle pas Vermine? Mais c'est marqué Vermine Ville. Bon, il est où, Shlouté? Coucou? Non, reviens ici. Il rigole. Reviens ici, vilain monsieur. Voilà, hein, toujours la nudiste. Juste du coup que je bidouille un peu les trucs de mon jeu. Alors, complexité des shaders, on va augmenter ça. Vu que j'ai pu augmenter le débit de Ah, stream, je ah, peux ah, bourrer la ah, qualité. ah, je lag! Ah, je lag à fond! Pourquoi tu lags? J'ai pas branché le PC! Ah bah bravo, le PC qui se met en économie d'énergie du coup. Ah, bravo. Franchement. Hein. Heureux. C'est bon, t'as réglé ton petit souci. Oui, j'ai branché le PC. Je peux pas jouer à un seul jeu quand le PC est débranché. Bah, je sais. Sauf à Golden. Après, c'est des réglages à faire parce que tu peux forcer ton PC, même en étant Ah ben. débranché, à ne pas se mettre en économie. Allô? Tu peux forcer ton PC, quoi? Tu peux le forcer à ne pas se mettre en économie d'énergie. Ah, c'est le mode économie d'énergie qui fait ça? Bah, il s'économise en fait automatiquement quand tu le débranches. Il privilégie la batterie. Ça m'a l'air d'être bon, du coup ce que j'ai fait, juste baisser ça d'un cran, ça d'un... Non, ça on va Oh! baisser comme ça. Shlouté! Ouais. J'ai débloqué un nouveau sort! T'as débloqué quoi? Avec mon instant héroïque là! J'ai débloqué l'étranglement de force, héritage! Ah C'est-à-dire bah que j'ai le balayage, ah j'ai oui la mais grenade c'est vrai que invisible. l'étranglement de force en plus tu l'as que en site normalement. C'est ça. Hop. Je t'ai Mais mis là, c'est héritage.
Je t'ai Donc j'ai trois compétences d'héritage là. Je t'ai remis mon buff. Attends. Il me reste mon truc, un truc à faire. Regarde, voilà ce qu'il me reste à faire, shooter. Attends. Allô? Attends, attends. Non, je vais me mettre ici, c'est mieux. J'arrive. Voilà. Voilà ce qu'il me reste à faire. Comme d'habitude. Ah ben, on reconnaît tous la raison pourquoi le sarlac te recrache, hein, c'est que t'es pas véritablement une femme. Tu feras gaffe, je crois que ça dépasse de ton panier. C'est la force qui fait ça. Genre. Putain, mais t'es dégueulasse. Attends, je te donne plein de boosts. Moi, je t'avais remis le mien. Mais si, tu l'as déjà, je crois, le mien. De boost de base. Moi, c'est puissance de force. Bah justement, moi, j'ai bravoure, puissance et renforcement. Force ou garde. Bah, moi, j'ai qu'un seul truc. Après, je peux faire ça, voilà. En fait, je vais faire la dernière classe de la République. C'est laquelle, du coup, qui te manque? Le malfrat. Ok. Bon, du coup. Décrivez vos symptômes. Hop. Y a quoi à vendre? Rien. Un peu service. Regagnez votre poste. Alors, petite quête. Ah, on a oublié une quête derrière. Ah non, c'est le donjon. Là, quête secondaire. Viens parler au monsieur. Ah merde. Où en sommes-nous? Putain, ça commence. 64 à 65. Et tu vois, elle au moins, la Kilik, elle a compris qu'elle devait pas forcément faire la nudiste. Apporte une véritable armure. Certaines personnes sont tout simplement inutiles. Pas de bêtises en mon absence. Je me demande ce que ça ferait de savoir s'il n'y avait pas de traducteur. Non, mais alors là. C'est quoi la clé? On parlerait tous comme des débiles. Ah oui, c'est normal que la quête héroïque, je crois, la MP77, elle est marquée en violette. C'est un donjon. Ok, tu veux pas le faire? Non. Ok. Parce qu'après, ça va nous amener sur deux autres donjons. C'est trois donjons qui s'enchaînent en fait. C'est l'histoire de quoi ça? Planète. Je demande à un spécialiste et on m'envoie une équipe d'experts. Le lieutenant Hollis mérite une récompense. Je suis le commandant Madine. Nous savons tous les deux ce que le nudisme. Alors je vais directement le nudisme et le joufflu. L'Empire a pris le contrôle du système. Ah oui, il a dit qu'on était des experts. Putain, il est où Horatio? Ah merde. On l'a laissé sur Coruscant. J'ignorais tout de la véritable situation. Inutile que tout le monde le sache. Je ne veux pas que le moral des troupes soit plus bas qu'il ne l'est déjà. On est coincé. Tant que l'Empire aura le système satellite, il aura Balmora. Mais si on arrive à prendre le contrôle du système, on pourra le retourner contre l'Empire et prendre l'avantage. Tout ce
qui appartient à l'Empire est bien mieux à l'état de ruine. Alors qu'on pourrait s'en servir pour le vaincre. C'est un vrai maître Jedi. Mais je pense que ce serait du gâchis. Mon meilleur agent a pu réunir quelques informations. Mais il n'est jamais revenu. Son vaisseau a été abattu. Il faut que quelqu'un se rende en territoire impérial, trouve le vaisseau détruit de l'agent Jago et récupère les informations. Qu'est-ce qui vous dit que l'Empire ne les a pas déjà prises? Si l'Empire avait piraté le cryptage de l'agent Jago, on serait déjà au courant. Faites-moi confiance. Servez-vous de ce décrypteur pour vérifier les informations. Ensuite, appelez-moi grâce au poste de communication. Ouais, de j'ai des bouboutes. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? La Force nous apprendra plus de choses que n'importe quelles informations. Restez calme. Plus il faudra de temps à l'Empire pour se rendre compte de ce qui se passe, plus on aura de chance. J'attends votre appel. Bonne chance. De toute façon, shooter, tu sais ce qui se passera après Balmora. Tu as appris Corellia. Là, on fait Balmora, Corellia, c'est ça? Non, mais... Non, on n'a pas Corellia tout de suite. Hein. Pourquoi ça m'indique une quête ici? Ah, c'est la mienne? C'est ma quête d'histoire? Bah, moi j'ai plus rien à foutre ici en fait. Cassons-nous! Voilà. D'ailleurs, shooté. Ouais. C'est ce qui se passera après avoir fini le chapitre 3. Bah là on est au 2. Pourquoi tu veux me parler déjà du 3? Quand on aura fini Corellia, puis le combat final. Ouais. C'est ce qui se passera? Non. Combat entre Jedi. J'avoue. Le combat final. Entre Vitel et Nudiste. Qui gagnera? La bouteille? Ou Nudiste? Alors la quête nos perspectives, c'est ta quête, je crois. Ah. Les cailloux. Donc t'as 4 emplacements à faire et moi j'ai ma quête principale de classe qui est en haut de la zone. Je te laisse faire ton truc, je vais aller faire le mien. Du coup. Passer par ici au moins. Ah, non. Ouh, ça c'est un gros ennemi. Ah, chaîne alimentaire, vaincre les patriarches coïcides et les autres machins. Ok. Vaincre. Ouais, faut faire des patriarches colicides, des pourfendeurs et des pourfendeurs. Les bestioles. Et en plus, il y a un truc qui est marqué étape 1. Ouais, donc il y a le bonus. C'est en... des trucs du jour. Le bonus est encore en plusieurs morceaux. Par là, il y a le second que je demande, le second profondeur, c'est ça? Ah ouais. Vas-y. Alors. Étape 2, détruire des outils. C'est vers où ça? Ah, c'est dans la zone. Putain, la zone elle est hyper grande du coup pour cette quête. Thank you.
Allons par là-bas. Notre patriarche. C'est ça, patriarche. C'est ça. C'est-à-dire que c'est les vétérans. Ouais, ouais. Non, ça c'est pas un patriarche. Moi j'en ai ça, eu. C'est plus haut qu'un patriarche. Patriarche, j'en ai eu deux. Ah, patriarche aussi. Un troisième. Ah bah détruire les œufs en plus pour l'étape 2 de l'objectif bonus, ça fait pomper un patriarche. Merci le jeu. Ça m'évite d'aller en chercher un moi-même. Ah ouais, ça fait pomper un patriarche. Du coup il me reste un œuf à trouver et deux pour fendeur. Il me reste un œuf à trouver, un patriarche. Donc je trouve un œuf, j'aurai d'autres problèmes là. Ah, justement. Il n'y a pas un œuf de planqué dans le coin là? Ouais, j'en ai un là-bas. Détruire les nids des colicoïdes. Il faut mieux faire mon objectif de quête aussi. Je dois détruire. Vaudrait mieux que je commence par le brouilleur sud et que je remonte ensuite. Là t'es en stream, c'est ça? Ouais ouais. Vous avez entendu tout le monde? Il est en stream. Ah non, ouais, c'est pas fait. De toute façon il n'y a pas la caméra, je peux porter ce que je veux chez moi. Et cette quête là-bas. Tiens, vu que t'étais pas trop loin de moi, ça t'a pas compté un pourfendeur? Non, je veux pas. Je vais le quitter tout de suite, moi. Oui, mais dans tous les cas, même si on la valide, la quête, ça compte les trucs bonus, non? Enfin, les trucs bonus, on peut continuer à les faire, je crois. Maintenant, faut détruire des nids. Ouais, j'ai déjà détruit un nid. Stop. Faut que je descende ici. Ah bah y'a pas de quoi ici. Meurs pas de quoi. Ça c'est pour toi. Putain, ouais, les nids de colicides ils sont éparpillés partout.
bon. Être assez proche comme ça, ça devrait me le compter aussi normalement le nid. Je t'attrape quand même un peu parce que... Bon allez. Défonce la gueule au patriarche. Ouais c'est bon, ça me l'a compté. Putain, il y a du peuple du coup. Ah ouais, il n'y a plus personne en fait. Il y a un pourfendeur à côté. Pourquoi tu parles de pourfendeur toi? Bah il faut moi il m'en manque un deuxième, c'est pour ça. Je les ai déjà fait. Ok. Bon bah, je vais te défoncer la gueule. Ah, j'ai un truc de quête juste à côté ici. Si je continue vers le nord, en suivant la route, je sur mon terrain. Toi aussi, tu vois un truc de crédit là, aller pirater. Pourquoi? Du coup, en fait, les nids ils sont tellement éparpillés qu'il faut que j'aille partout, moi, Dieu, pour les faire. Sud. J'ai fini 3 nids. J'en suis à mon deuxième. Putain, et même les colicoïdes, ils font des drifts en fait. Déjà vous. Gaz, gaz, gaz. Et est-ce que je t'attends pour la reine colicoïde? Bah il me reste un nid à détruire et j'en ai un pas loin. Non, ça c'est ta quête. Faut que je remonte sur... Je vais pour la reine colicoïde et je t'attends. Faut que je remonte sur l'est de la zone. Pourquoi ça m'indique un truc... à crédit ici? Ça m'indique un truc de crédit, mais je le trouve pas.
pas loin. Ah ouais, voilà, c'est bon. C'est que j'ai, y avait une porte pour rentrer dans le bâtiment détruit. C'est l'arène colicoïde. T'es où toi du coup? Ah t'es... Ouais c'est là où je suis pas rentré tout à l'heure. Okay. Alors tu dois aller voir faire l'arène colicoïde? Non là je vais faire le dernier nid. Et je te rejoins du coup, je vois où est-ce que t'es. Tiens, je vais ranger mon partenaire, moi. Quand j'ai dit partenaire. Tiens, faisons des danses. Ça a pas fait popper d'ennemis, tiens. Bon, du coup, il me restera ma quête d'histoire à aller faire vite fait. Aller trouver la résistance. Non, je sais, je fais rien de bizarre. Je te vois pas encore, donc je sais pas. Je te dirai ça une fois que je serai arrivé. Je fais des danses de club. Caisse de crédit sur la route. Allons-y. Voilà, vous êtes sur pied. Oh, les caisses de crédit, c'est quand même réglo, ça donne 1000 crédits à chaque fois. Parce que moi, je les ai pas, les caisses de crédit. Bah pourtant, t'as bien le piratage, toi aussi. Non. Bah, c'est quoi que t'as comme compétence d'équipage? Je l'ai pas entraîné, la compétence. Bah moi, je l'ai seulement prise l'autre fois, puisque tu sais bien que j'avais pas celle-là, à la base. T'as combien en piratage? Bah, je l'ai prise l'autre fois, donc je suis pas très haut. Je suis à 11. Ouais. Oh. Même toi, t'en as... Je trouve pas des trucs de piratage, alors. Même toi, t'en as fait plus que moi, du coup, des caisses. J'en ai 41. Bah, t'as déjà nettoyé la zone. Bonjour. Carton la reine. J'aime bien tous les ennemis se ramènent sur toi, enfin sur nos...
tout à l'heure. Ouais. Je reste ici. Pourquoi tu restes ici? J'attends la raid. Pourquoi ça te l'a pas compté? Non, ça me compte pas la raid. Parce qu'il faut que je la fouille moi aussi. Ah, attends, tiens, elle a ripoc, elle est au fond. C'est pas elle? Ah non, c'est un sapeur. Bon, en attendant. Okay. T'as dit un sapeur et moi je dis pompier. Oui, j'ai entendu, c'est pour ça que j'ai pas réagi. Y'a pas un truc que je pourrais faire? Ah si, shooter ici. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire comme connerie encore? Qu'est-ce que je veux faire? Ouais. Tu veux vraiment savoir? Je sens la connerie venir, donc vas-y, fais-la. T'as fait quoi? J'ai pas compris en fait. Regarde dans le chat. Genre. Tu oses? Voilà, je te laisse te démerder. Je me casse. Je te boude. Tu viens de remarquer? En même temps, le chat est écrit assez petit chez moi. Mon message sur Discord, j'ai failli me faire avoir, l'ascenseur il allait commencer à redescendre. Allez, bon, je vais pouvoir aller faire ma quête principale. Tu veux rire? Ça dépend. Bah moi je me suis TP. Voilà. Oui, j'ai vu que tu t'étais TP toi. Moi ça me sert à rien de me TP du coup, parce que ma quête principale elle est tout en haut dans la zone. Je sais même pas où elle est ma quête principale, moi. Ah bah elle est à la zone suivante. Ouais, voilà, il y a des trucs à la zone suivante pour nous deux, de toute façon. Parce que la quête de planète, elle est là-bas. On a une quête secondaire, on a des quêtes secondaires validées. Je vais t'attendre pour la première, mais celle avec la reine, je la valide tout de suite. Bah, parce que c'est pas une quête secondaire. Si, celle avec la reine, c'est la quête, c'est chaîne alimentaire, c'est la quête secondaire. C'est la quête bonus. Oui, bah c'est la quête secondaire de planète, quoi. Je peux la valider sans toi. Oui. Par contre. Oui, bah après. Devant le sergent Man. Tu m'attends juste pour valider la quête de planète. C'est pas la quête de planète là, c'est la quête secondaire. Mais t'as pas besoin de m'attendre devant le sergent Man. Sergent Man, c'est ta quête. Ah non, c'est notre quête, chaîne alimentaire. Ah. Mais pourquoi tu veux m'attendre pour la valider? Bah, ouais. C'est la quête. Ouais, j'avoue. Ah, tu dues? Yo. Yo le kéké! Bienvenue sur le live! Oh merde! Je suis le médecin chef.
Oh le con. Oh et puis en plus le réveil matin il est bien hein. Pourquoi? Pourquoi t'as vu ta photo screamer? Toi je t'emmerde connard. Comme je te l'ai dit à toi et aux jeunes, je vous emmerde tous les deux. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Hier, il est passé. On a passé toutes les photos. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Ces connards se sont amusés à envoyer les photos, les anciennes photos que tu vis. Les anciens montages? Ouais, qui datent d'il y a deux. Mais elle les avait déjà vus. Elle les avait déjà vus il y a pas mal de temps les montages. Kiki en geisha, Kiki avec son montre, avec sa courgette. Et la vérité aussi. Non, on l'a pas celle-là. Ah merde. Il y a que Squall qui l'a celle-là. Parce que la vérité sort de la couche des enfants. Et après tous les coquilles restent non. Des enfants. Dans l'univers de Zelda, les Kokiri, ça reste des enfants, je te rappelle. Oui. Ils grandissent c'est jamais. Des arbustes. Je t'emmerde. Oui, c'est vrai que si tu prends ceux de Wind Waker, c'est des arbustes. Wow. Pas que Wind Waker, Breath of the Wild. Oui, dans Breath of the Wild aussi. Ah là, Kiki, ils se font tellement cher. Ça t'éteint encore. J'ai réussi à m'endormir avant 4h du mat. T'inquiète, moi j'ai réussi à m'endormir à 1:50 sur ce jour. Ouais, je sais, t'as vu que tu t'endormes le jour là, toi. Bon, que va faire le bus? Est-ce qu'il va être à l'heure? Ou est-ce qu'il va être en retard? Ou est-ce qu'il va pas passer du tout? Quoi, t'es en train de rentrer chez toi là, Kéké? Non, non, je suis en train d'aller chez un pote parce qu'aujourd'hui il doit recevoir sa télé et vu qu'il est pas là. Ah oui, tu la récupères. C'est moi qui vais devoir récupérer. Voilà. Oh. Moi, tu sais, j'ai pas de télé à récupérer, je suis tranquille. Non, moi aujourd'hui, c'est les. Moi, j'ai les colis à récupérer, mais c'est pour la vacotte. Mon dieu, j'étais surpris de mon côté. Pourquoi? Oh bah hier t'as GG et Nana qui sont passés dire bonjour hier à Cocu. Ah. Oh bah quoi, j'étais pas au courant ça. Oh, ouais. C'est cool. Pour te dire que c'est terrible, l'a envoyé, elle me l'a dit. Elle m'a fait oh, ok. Ouais, j'ai vu ça ce matin, bah. C'est dans la convo quand même où je suis aussi. Oui, on avait fait une convo spéciale pour ça. En fait, j'avais pas dit qu'on ferait pas les quêtes secondaires. Si, t'avais dit qu'on pouvait recommencer à les faire pour les points de sociabilité. En fait, ça sert à quoi les points de sociabilité? Ah, et ça donne. Moi, ça me donne de l'argent. D'abord. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus d'argent pour pouvoir acheter les bonus d'XP et gagner plus d'XP. M'en fous, j'ai validé la quête sans toi. Ouais bah je t'ai dit que je m'en foutais si tu l'as validé de toute façon. J'ai validé la quête secondaire sans toi, pourquoi? Zéro point de sociabilité, zéro dialogue. Ah. Voilà. Tout ça. Pour ça. Je suis bien content. Le retard, le retard, j'adore le retard. En même temps, c'est y a les grèves, donc tu t'attendais à quoi? Ah ça c'est vrai, par contre, il y a beaucoup de transports qui sont en grève. Même les bus. Le pire c'est que hier, j'ai vu que normalement, eux, aujourd'hui, ils ne faisaient pas grève, les bus là. Oui, mais c'est... Les réseaux là ne faisaient pas grève. Il y en a qui sont déjà tombés dans le panneau. Les chanceuses, seulement. Je sais pas quel génie a décidé d'installer donc, un... Par contre, ton cerveau, il fait souvent la grève. Toi, je t'en perds. Et les blessés les plus graves sont... Pourquoi tu m'emmerdes? J'ai toujours été gentil. Si. Au bout d'un moment, tu peux pas dépasser un certain stade de méchanceté, donc tu reviens à zéro. Je suis ici pour voler quelque chose à l'Empire. Comme un compteur de bagnole, au bout d'un moment, tu peux pas dépasser la vitesse affichée, donc ça revient à zéro. Si mes patients survivent. D'après nos éclaireurs, les impériaux ont envoyé mes kits d'urgence à
alors faut poster dans les plaines non loin d'ici. C'est comme pour le nombre de kilométrages. Tu veux gruger, tu remets tout le truc à zéro. Faites vite, mes patients plus beaux. C'est ma mère qui avait déjà fait le tour d'un compteur kilométrique sur une de ses bagnoles. Oh putain. Bon, c'était pas une bagnole neuve après, c'était de l'occasion. Ah oui, bah ça y est. Bon bah je peux me TP. Ouais. Ah shooter si ça peut te permettre de mieux comprendre. De quoi? Je t'envoie un truc en privé. Pourquoi tu me marques ça? Oh. Ah. Ouais non mais tu sais j'avais pas besoin de ça pour comprendre. Je connais après tout aussi. J'adore ce qu'ils ont fait de cet endroit. On en oublierait presque qu'avant c'était un nid de colicoïdes. C'est la quête, la... c'est laquelle la mission de planer. C'est sauf qui peut. Donc moi je dois faire nos perspectives. Donc je vais au sud. Je te rejoins sous peu. Tu me rejoins sous peu, ok, sauf qui peut. Ah, but je le dis à mon pote, les bus ne passent pas. Tu sais quoi, ta gueule. Rien, là. Au fait, je voulais aider Shooter à comprendre pourquoi je disais screamer. Donc j'ai envoyé la petite image. J'aurais préféré ne pas la voir. Ah. Non, c'est bon, je vais pas tomber de la falaise. Merde, c'est où qu'il faut rendre le machin? Quelle bande de là. Boîte de dépôt de mission. La boîte de dépôt de mission pour le, l'objectif bonus, elle est à l'intérieur, Mutsu? Attends, redis Kiki. Mais quel connard que tu es. Tiens, non, Mutsu. Non, t'as dit quelle bande de connards. Shooter, il a rien fait. Mutsu. Je parlais de toi, le jeune. Quand tu reviendras à la zone centrale, t'auras une... Faudra que tu regardes au niveau des marchands qui sont juste à l'entrée du bâtiment, là. Un élément de codex sur une étagère. Ça, c'est pas sous l'étagère. Du moment que tu pas, du moment que c'est pas sous le bureau, s'il faut. Du moment que c'est pas sous le bureau, mais dessus. Faisons du step et essayons d'aller à froid. Comme ça. En ah, bah je sais quoi t'offrir à Noël, toi. Quoi? On va t'acheter un gros pouce gigantesque et ridicule. Quand ça va faire du non. Stop. Non. Et si on te remarque pas avec ça. Et voilà. Bon bah du coup, il n'y a plus qu'à aller prendre le transport. Ah bah tu commences par ta quête de classe. Hein. Bah vaut mieux que tu commences par ta quête de classe et on fait la quête d'histoire après. Ça vers l'usine de droïdes, c'est ta quête. La quête sauf qui peut, elle est là. Et regarde, c'est à gauche. Récupérer à l'ouest. Ouais, je dois récupérer des kits d'urgence. Faisons tomber le gars et filons le vélo. Non, on va pas faire ça. Ça, c'est carrément des grosses navettes, les transports sur cette planète. Donc, voyons voir la route que je dois suivre. Là, j'ai pris la mauvaise route. On se prend. Par là. Il y a des qui ordent. Oh. Quête secondaire ici. T'as pris la quête secondaire ici, non? Non. Non, je la fais tout seul. C'est sur la route au pire, donc. Jedi, putain, il y a déjà deux bus qui viennent de passer. Pourriez-vous m'apprendre à m'en servir? De l'autre côté, j'en ai aucun qui est passé du mien. Ouais, parce que moi, je fais pas les quêtes secondaires. Oh,
Grand gain d'influence avec Tizen Face. Vas-y. Vous avez sûrement raison. Enfin, j'ai tout juste eu mes galons. Grenade recata unique. Après l'anneau unique, voici la grenade unique. Ça active Kéké. Hein. Ils savent tout sur nos armes. En même temps, quand ça parle de Gollum, c'est le conseil direct. Je t'emmerde, connard. Je t'emmerde. C'est pour ça que Kéké est dans les montagnes. Bon. Parce que quand ils ont mis sur internet qu'ils ont découvert un Gollum des montagnes, c'est n'importe quoi. What? T'as pas vu ça sur internet il y a beaucoup d'années? Non. Une nouvelle espèce qu'ils ont découvert, un Gollum des montagnes. N'importe quoi. Comme ça, chacun participerait. T'en es sûr, tu confonds pas avec un golem des montagnes? Non, ils ont bien dit un Gollum des montagnes. C'est un Gollum copié-collé au pied d'une montagne. J'espère que ce sera le cas. Il y en a beaucoup qui ont cru comme des débiles. S'il arrive à les décoder, mon escouade ne sera pas la dernière à disparaître. J'aime bien lancer des cailloux sur les ennemis. Comme d'habitude. Ah bah ça tombe bien en plus, la quête secondaire elle est exactement bon, sur la route fort, de... On t'a dit pas balancer des cailloux. Et puis des cailloux. Allez, lançons des cailloux. Ah. Merde, j'ai sauté d'un tremplin, j'avais pas vu qu'il y avait un ascenseur pour descendre ici. Pardon. T'es dégueulasse. J'ai pas envie de les interpeller quand même de réseau subir quoi. Ouais un site. Je crois qu'il maîtrise internet. Là... Tiens, plus de petits cailloux. Voilà. Putain, mais Kéké. En plein live en plus. Non, une fois, désolé. Ok, mais pas deux. Désolé, j'ai mal au bide. Je sais pas pourquoi faut que ça sorte. En plus, j'étais en train d'utiliser mon sarlat. Tu sais, t'as un bouton qui s'appelle couper le micro, Kéké. Quand c'est comme ça. J'avais zappé ce bouton. Putain, mais mec. C'est pour ça qu'on t'entend des ronflets d'habitude. Oh, le pire, c'était pas moi. Hein. Je sais, le pire, ça reste GG. Ouais. Non, même si lui, c'est pas forcément ronflé, c'est qu'il parlait dans son sommeil. C'est limite pire. Parce que t'as l'impression. Oh, bah, j'imagine bien quand t'as dû dormir chez eux, hein, comment c'était, hein. Bon, j'étais pas mal crevé donc pas forcément fait gaffe. Oh moi si t'inquiète, j'avais fait plus gaffe plus d'une fois, j'entendais parler. Et si ce n'est même des fois j'en entendais une ronfler. Oh putain! Enfin! Un miracle! Il n'y a pas de putain ici, monsieur. Oui, je sais, on baisse tous à l'œil. Voilà.
Bonjour monsieur le chauffeur. Y'a des soins but dessus. Qu'est-ce qu'il fait depuis tout? Il est en train de monter dans le bus. Le bus magique. Il va aller à l'école. Alors ma quête de classe elle est faite, il me reste un truc pour la quête secondaire et puis on pourra faire l'autre quête si tu veux Mitsu. Pour ta quête secondaire, moi je retourne sur la première. Tu vas rendre ta quête à toi? Ah non, j'ai ma quête la quête principale qui est dans la première zone. Peut-être aller, faut peut-être que tu ailles rendre un truc justement. Si ça parle de repères, je crois pas que c'est rendre un truc là. Si, tu dois rendre l'argent. Bon, les points de vie. T'as des petits problèmes de PV toi. Non, j'ai seulement sauté dans le vide. Comme moi généralement. Les ascenseurs c'est surfait. C'est pour les Ah mais il y avait pas d'ascenseur là, il y avait des escaliers. Oui, mais les ascenseurs, les escaliers, c'est pour les faire. Tu sais, j'ai la flemme de descendre. Donc j'ai sauté dans le vide. Ouais, je crois que c'est rendre un truc parce que c'est pas qu'un simple repère. C'est qu'une simple petite maison. Et elle est pas dans la prairie par contre. Eh là là. Bah ma suite ce sera la troisième zone. Ouais, je vois le point. Retourne à la seconde zone pour sauf qui peut. Je vois le point de ta quête du coup. Je vais me TP à l'entrée de la zone. Sauf qui pue. C'est toi qui pue. Ou bien on va faire comme dans Pokémon. Sauf qui pue. Lol. Ouais, y'a un Pokémon qui s'appelle comme ça. Oui je sais. Non, tu le sais pas. Tu connais pas. Je connais un minimum Pokémon quand même. Ah bon, on va te faire voir. Sauf qui pour Pokémon de quelle génération? Tu sais pas, Kiki? Cinquième, non? Voilà. Il devait être trop occupé à s'enfuir. C'est noir et blanc? Possible. Ils étaient terrorisés. Sauf qu'il pousse, c'est pas de noir et blanc. Non. Oui, non, je sais plus. Ah, quoi que là, j'ai dit. Avec les canons HS. Je te demande si c'était bien noir et blanc, tu me réponds oui, toi. Kiki, sérieux. Oui, je me rappelle de Sauf qu'il pousse dans noir et blanc.
je sais pas où dans quoi il est. Je sais plus dans quoi. Attends. Il est pas dans Noir et Blanc, sauf qu'il peut. Je sais même plus. Je pense. C'est plus tard ou c'est à, ou c'est plus tôt dans les générations. Je vais sur le point de la quête secondaire, mais tu. Enfin de la quête. Il de est de la septième génération. De la quête de planète. Ah oui, il est de Soleil et Lune. C'est lui qui évolue en Samouraï. Ah ouais. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il évolue en Samouraï. Il est seul pour défendre l'air. Mayday, Mayday, est-ce que quelqu'un m'entend? Oula, pourquoi avec son œil? Foutu satellite, comme si le ferramac ne suffisait pas. L'Empire est déjà sur place. Ils vont chercher le vaisseau, trouver les renseignements. Je vais me débarrasser des renseignements avec les déchets. Ça occupera l'Empire. Débarrasser des renseignements. Je descends par là. Amitié. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait qu'on retourne sur Pixelman parce que je crois qu'ils ont sorti une nouvelle région. Sur quoi? Pixelman, le launcher Pixelman. Hein? Vous êtes plus sur. Ah oui, non, c'est Pixelman, ouais. De toute façon, j'ai l'intention de me refaire du Pixelman, mais. En serveur privé, en. En serveur privé. Moi, faudra que je vois, mais maintenant que j'ai une meilleure connexion, je devrais pouvoir faire tenir un serveur. Parce que j'ai envie d'avoir un Pixelman. Modé comme il faut. Ouais, avec quelques modes supplémentaires peut-être. Mmh. Oui. Ça oui, passe... c'est vrai qu'on avait des modes sur le chat Pixelmon. Parce que c'est vrai que beaucoup de serveurs qui utilisent Pixelmon n'utilisent vraiment que Pixelmon. Donc que les trucs intégrés à ça, et ça manque un peu des fois de d'autres petits trucs, j'avais remarqué. Pour se simplifier la vie. Bon, bah déjà, pas le truc de Yuki, déjà, ce serait cool. Ah non, quand c'est un serveur privé, c'est entre amis. Oui. Oui, mais du coup, ah non, il faudrait tu quelqu'un te avec vraiment. Le serveur du pote de. Et si tu te rappelles le serveur du pote de. Pote de Skier. Ouais, le pote de Skier. C'était mal foutu. Mal foutu. Déjà, il nous avait laissé pire que je ne sais quoi au niveau de la pousse, tout ça. On devait vraiment tout faire lui nous-mêmes. Et encore, oui, justement. Chiant. Si je veux un serveur pixel, moi c'est pour tout crafter moi-même. Oui. Je vais crafter là-dessus. Non mais je au moins retirer là-bas. Mon projet c'est de créer un village au spawn. Bah, le projet que t'avais sur le premier sur ton premier serveur classique, Mutsu, que au spawn c'était un genre de village. Oui, et il avait été accompli. Ouais. Donc là, ça sera pareil, mais version Pixelmon. On aura chacun notre maison. Voilà. Moi, Pixelmon, ça m'intéresse pas plus que ça, donc je vous rejoins. Je risquerai pas de vous rejoindre. Yann Sarkus, je connais ce nom. Il est jeune, il est brillant. En même temps, il n'y a pas que Pixelmon dans ce mode. C'est quoi qui t'intéresse, Shooté? Moi, c'est plus tous les trucs qui rajoutent des trucs, tu sais, des gros trucs électroniques, de la machinerie. C'est plus ça qui m'intéresse au niveau des modes, moi. Ah, oui, c'est vrai qu'on a les crafteurs de genre les trucs, vraiment les gros trucs, tu sais, pour t'automatiser des crafts, par exemple, du début à la fin. Vraiment des gros trucs comme ça. Bah, un peu. Il y a des trucs comme ça dans toutes ces zones. Ouais, mais c'est pas assez poussé pour ce que j'aime faire. Oui, mais moi, il y aura pas que le mode Pixelmon, moi. Il y aura des trucs automatisés et tout ça. Oui, mais moi, je préfère faire tourner un truc de mon côté parce que ça surchargerait ton mode pack pour rien.
Ouais, pas fou. Parce que c'est pas des trucs que tout le monde va servir sur, va se servir sur ton serveur. Donc tu vas pas les mettre pour une seule personne. Bah, le truc, c'est après, ça peut permettre aussi d'apprendre aux autres après aussi de l'utiliser. Hein. Ouais. Ah, oh, enfin arrivé. Oh, bordel, je suis enfin arrivé à toi. Sarkus est trop intelligent pour rejoindre l'Empire. Philippe. Ouais, il a intérêt. Je cache. Comment je me cache où alors? De chez toi, dans ta chambre. Ah merde, il me stalk. Quel enfoiré. Donc là on doit aller en bas à gauche, c'est ça? Il me semble. C'est ça. C'est ça. Décrivez vos symptômes. Après service, regagnez votre poste. Bon, je vous laisse, j'appelle le tueur. Ça marche, à plus Kéké. Attends, je sais où Kéké se cache. Dans la forêt Kokiri. Dans un ananas au fond de la mer. Aïe. Putain, j'oublie ce putain d'ascenseur à chaque fois. Quel ascenseur? Je suis descendu par la montagne, moi. Le mec. Il passe même pas par la route. Une route? Quel est ce Pokémon? Route Pokémon de type goudron. T'essayes de faire une évolution à gros tas de morts. Ça pourrait, et dans un sens, vu comment on est parti avec les Pokémon les plus récents, ça pourrait être un truc. Hein. C'est vrai, voilà. Que le Smogogo en forme d'usine. T'es déjà en train de faire le ménage, j'ai plus qu'à récupérer les items. Philippe! Je sais où tu te caches. Yann Sarkis, pointez ça dans une autre direction. Tu sors ton sabre plutôt très bien. Je suppose que vous avez vraiment besoin de moi, ou du système satellite. Oh, je te laissais sortir ton sabre en premier, comme ça si jamais tu l'attaquais sans raison, c'est toi qui prenais toute la responsabilité. C'est un marché équitable en échange de ma liberté. L'Empire ne m'a pas payé depuis qu'il s'est installé. Mais si l'amiral Rizer découvre que vous avez attaqué ce poste dans le seul but de me sauver, il saura que la République prépare quelque chose. On devra faire quelques arrêts pour que je puisse couvrir nos traces. Si vous me promettez que ça fera la différence... Ils ne pourront pas faire la différence entre un blaster et un banta quand j'en aurai fini. Conduisez-moi où je veux aller, je m'occupe du reste. On commence par... par la gauche. Je te suis dans 2 secondes. 1, 2. Ah, pourquoi tu bouges toujours pas? Oh, chute, hein. Tu m'as menti. Espèce de vilain monsieur. Oh, il y a un site. Il y a plus de site. Il y avait un site. Mais ça, c'était avant. Chine. Ah, il est là ce truc, il fait un peu bizarre. Thank you.
attention. Avant, ces émetteurs éloignaient les prédateurs balmoréens. Maintenant, ils les attirent. Je résiste pas. J'ai dû ralentir, choper. Quoi? Bah, j'ai eu une caisse de crédit. Tu vois que t'en as aussi des caisses de crédit. Normalement, tu devrais même en trouver plus souvent que moi. Pas spécialement. Bah, pourtant, t'as une plus haute compétence que moi. Pas si haute que ça. Ok. Qui vois-je passer au loin? C'est pas moi. Oh, un truc de crédit ici. Ouais, je le vois aussi. Du coup, tu l'as récupéré avant moi. Donc, ça veut dire que les autres, les autres que j'ai trouvés dans la zone des colicoïdes, t'étais censé les trouver aussi. Que je suis toujours à regarder là-bas. Bah, c'est la mini-map, moi, que je regardais, c'est tout. Justement. Ah, c'est bon, ça me l'a compté, du coup. À ta vie, pourquoi je me perds? Oui, c'est vrai que toi et ton sens de l'orientation légendaire. Non, mais je regarde pas les maps aussi. Par contre, c'est plus une excuse pour les lignes droites. Hein, de quoi? C'est pas une excuse pour les lignes droites. J'avoue. Le mec qui a réussi à se perdre en ligne droite. C'était dans quoi déjà que tu t'étais perdu en ligne droite? Je sais plus. Parce que c'était pas sur Star Wars. Ah non, sur Star Wars je me perds pas. C'est où qu'il faut rendre la quête du coup? C'est en bas. J'arrive. Je viens de prendre les trois caisses, j'ai eu 556, 443, 432. Et toi, tu gagnes combien en ouvrant les caisses? Environ 1000. Sur les caisses. Ça doit être un avantage pour les non-abonnés. Sur les caisses que j'ai récupérées, ouais, j'ai récupéré environ 1000. Ça doit être un avantage non abonné. Ok. Il y a deux fois plus de crédit. Oui, ça compense. Oui, bon, de toute façon, dans tous les cas, on est limité en crédit. C'est lui aussi. Premier arrivé. On l'a fait mais on l'a fait quasiment en même temps, quoi. Oui. Remboursé. Putain, cette course. Sarkus a saboté quelques trucs pour les occuper. Sarkus, monsieur. J'ai laissé quelques cadeaux à l'Empire en remerciement de son hospitalité. C'est notre homme. Vous pouvez nous aider à prendre le contrôle du système satellite de Balmora?
Pas exactement, mais je peux le désactiver, je vous le promets. Ah, j'ai fait 49. La direction que prend cette discussion ne me plaît pas. Oh, il a fait 112. 49-3. Contrôle le système. Toute attaque de Vermingville est vouée à l'échec. Et là, je fais 493. Le système se verrouillera. Non, peut-être pas. Il faudra des semaines aux yeux de Lynx pour tout déverrouiller. Ça devrait suffire. On fait comment? Le virus doit être introduit dans les ordinateurs principaux de la tour de contrôle satellitaire. Exactement là où se trouve l'amiral Rieser et ses hommes. Est-ce que l'amiral a un autre système 3. De défense? Ses résultats. 3,98. Voilà. Il arrive toujours à céder. La chance du débutant. À la fin du combat, insérez ce disque dans la console principale. Il téléchargera le virus. C'est quand que tu fais 1? Il faut que je trouve un ordinateur. Jamais. Encore merci de m'avoir sauvé. Affronter l'amiral Rieser et ses hommes n'est pas une mince affaire. Vous êtes sûr d'être à la hauteur? Un Jedi est utile en toutes circonstances. Ne sous-estimez pas l'amiral. Il a de l'expérience, il est impitoyable. Et pire que tout... Toi, tu sous-estimes tout le monde, toi. Sarkus et moi, on attendra... Pourtant, je défonce la gueule de tout le monde. Même moi, tu sous-estimes. Autant, t'aurais du mal à me défoncer. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. C'est encore dans cette zone, du coup, le machin? Attends. Veuillez patienter. Moi, je vais faire ça. Recherche de produits en cours. Oui, j'ai un nouveau cube. Ouais, moi aussi. Après service, regagnez votre poste. Ça a l'air d'être dans la zone suivante. Ouais. Attends. Ah non, c'est dans le c'est dans un bâtiment. C'est pas dans la zone suivante. Ouais, c'est dans un bâtiment. Moi, je suis très bien sur ma monture. Tu vas plus vite que moi. Un animal plus rapide qu'un vaisseau. Attends. Ah ouais, je veux dire qu'un animal est plus rapide qu'un speeder. On dirait bien. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, contrairement à moi, t'es pas obligé d'attendre le level 45 pour avoir le truc niveau 3 au niveau des déplacements. Il y a un problème. Pourquoi? Ben pour rien. Toi, t'as vu le... Merci. T'as occupé les ennemis, comme ça j'ai eu la caisse. Ah bon? Et je l'ai déjà prise. Comment t'as pu la récupérer alors que t'avais de l'aggro sur toi? T'étais en train... Non, je le voyais, t'étais en train de te faire taper la gueule. Toi, ça aurait dû t'empêcher de non, faire le truc. Non, ça empêche pas. Bah si, comme n'importe quelle interaction. Ah, pas pour les caisses. Okay. Pas quand je sors de la monture. C'est de la merde. En l'argent. Ok. Hadouken. Ah, le mec. Tu penses qu'on en a d'autres à l'intérieur, du coup, pour le bonus? Attends, je vais me soigner, moi. Parce que j'avais pas mon tank actif à ce moment-là. De toute façon, si c'était pas moi qui le récupérais, c'était mon partenaire. Non, je pense que vu que je suis un joueur, j'ai quand même une priorité par rapport à ton partenaire. Là. T'as pas eu un problème? Pourquoi? Bah, je sais pas, je t'ai vu... courir sur place et d'un coup ça t'a foutu dans le vide.
n'aime pas mes cailloux. Non. Pourquoi ils aiment pas mes cailloux? Généralement, les cailloux dans la gueule, ça fait pas que du bien. Cette grosse caillasse que tu y as foutu à celui-là? Ah merde, on n'aura pas assez d'ennemis pour le bonus, à moins que ça nous compte les derniers ici. T'es où, shooté? Je suis avec toi. Vous ne faites pas le poids. Si vous partez maintenant, je vous laisserai un peu d'avance pour rejoindre l'aire des navettes la plus proche. Je vois qu'on tremble déjà de peur. La République ne s'est pas gagnée avec dignité. L'Empire contrôle Balmora. Les meilleures armes de la galaxie sont maintenant aux mains de la puissance la plus forte. Si la République insiste pour affronter cette puissance, Balmora en souffrira. Inutile de discuter. C'en est terminé. Vous êtes décidé à mourir, alors. Comme vous voudrez. Tu ne cherches pas les solutions les plus pacifiques. Respecte le code Jedi. Tapez. Ok, bah allez-vous-en. Lol. Ah, Hadouken. Pouf. Quoi, tout est. J'étais en train de donner le truc de guerre d'influence. Et un système de défense satellite. Un. Qu'est-ce que vous dites de ça, les gars? Les gars? Dites-moi que les autres yeux de Lynx m'ignorent simplement. Il n'y a que moi et quelques impériaux morts. Mais merde, je voulais dire que je l'ignorais moi aussi. Sauf pour aider des gens comme vous. On dirait que le virus a fonctionné. Je peux en plus avant que le système se verrouille. Ah mais j'ai fait 157. Ouais. Non. J'ai quand même fait 142 plus que tous. Les yeux de Lynx sont exécutés. Ordre de l'amiral Rizer. S'ils sont tous comme vous, il rend un service à la galaxie. C'est une blague, elle n'est pas drôle. On doit faire quelque chose. Alors, t'es méchant, toi. La chose est déjà dénommée. Le centre de commandement impérial est impossible de localiser. Détruire nos défenses. Utilisez le satellite pour trouver le commandement. Éteindre la console d'exploitation. Terminé. Je me mets dans tous mes états pour quelques trucs détruits. Mais ici, il est question de vie ou de mort. On n'a droit qu'à une commande. On doit s'en servir pour trouver les yeux de Lynx. Faites-le. On ne laissera pas des innocents se faire tuer. Les yeux de Lynx. Ah, je croyais que tu voulais pas sauver les innocents. Que tu voulais les tuer, toi. J'ai rien fait. J'ai neutralisé leur plus grosse défense avec leur turbo laser. T'as répondu tout seul. Si les yeux de Lynx sont toujours en vie, je les sauverai. Merci mille fois. Maintenant. Ah, ça c'est des belles paroles. Eh mais l'autre fois, ça m'a fait le même genre de bug au niveau du dialogue sur un truc de lumière ou obscur. C'est chiant. C'est chier à remonter en fait. Parce que c'est juste à côté le truc. Ouais, c'est en bas de la zone. Juste à côté. Tu sais quel était mon souhait le plus cher? Non. C'est que je puisse grimper sur l'ascenseur et que toi tu rates l'ascenseur. Allez, remonte vite. Non. Par contre, ton partenaire, il a raté l'ascenseur. Non. Elle est devant toi. Elle était devant toi, Kira. Mais merde, il pouvait pas te faire descendre de ta monture. Ce serait marrant.
Ensuite, j'aurais utilisé une compétence de force qui t'aurait attiré sur moi. Oui, j'en ai une. Et je t'aurais fait chier. Je t'aurais descendu de ta monture de force. Je m'en fous, vu que j'aurais pas récupéré l'aggro sur les ennemis automatiquement. Si, parce que ça donne 50% de mon aggro. Ah merde. Pourquoi ils donnent des trucs comme ça en même temps à toi? Pourquoi? Pourquoi le jeu, t'es vilain? J'ai bien. Ah, voilà, c'est mieux de ce côté. Oui, mais en fait, je crois que ça revient au même endroit, non? C'est ça. Et tout à fait le coup aussi. Donc, je suis satisfait. Ah, par contre, je rembourse pas. Oh, bah. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mort. Comment t'as fait? J'ai sauté dans l'ascenseur, pourquoi? Mais putain, le con. Irrécupérable, ce mec. Eh, les caisses de crédit sont récupérables, Alain. Mais toi, t'es pas récupérable. Je suis en train de me clash tout seul, non? Hein? Je suis en train de me clash tout seul, non? Ouais. Il y a deux ascenseurs ici. J'en ai un là où je suis aussi. Ou c'est juste que ça va pas dans la bonne zone? Moi je suis dans la bonne zone, pourquoi? J'arrive. J'ai nettoyé la zone d'à côté. Vas-y, saute dans l'ascenseur. Non, non, c'est bon, ça m'était déjà arrivé. Moi, le souvenir que je connais de toi, c'est quand tu t'es fait écraser par un ascenseur. Oui, aussi. Ça c'était marrant. Bah tiens, le troisième chercheur, il est là. Ouais. Il y a un datacron. Ah bon? Oui. Ça faisait pas mal de temps qu'on en avait pas vu de datacron. Il est où? Je l'ai vu. Ah putain, ouais. Putain, je l'ai jamais vu celui-là. Comment on fait? Je fais le tour pour voir. Ah, attends, je crois que j'ai un souci. Je me suis keblo, putain. Je me suis keblo. Tu fais slash bloqué. Ah mais ça va me renvoyer en haut, non? Non. Ou slash coincé, slash bloqué, je sais pas.
même plus. Oh non, je suis bloqué. Non, en fait, ça bloque ici. Ah non. Non, ouais, je sais qu'il y a une commande avant et s'affichait de façon automatique de temps en temps pour nous le dire. Bah pourquoi tu cliques pas sur un ennemi et tu sautes pas dessus? Y a pas, j'ai pas la vision sur un ennemi là, faudrait que t'en ramènes un juste devant moi. Attends. Mais vraiment, entre les, faudrait que t'en ramènes un entre les caisses là. Je suis bourré. Putain de merde. Et comment on fait pour voir ce datacron? Et bien pour voir ce datacron, c'est très simple. Il faut trouver un coin pour découvrir le datacron. Comment t'as fait pour te bloquer toi? Alors comment? Il est où mon sang pour t'attirer? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Là, c'est Kira que tu vises en plus. Ah, c'est ton partenaire. C'est où, toi? Bah, je suis à côté, moi. Moi, je suis entre... Oh, le con! Bah oui, moi, c'est là que je suis bloqué. Oh, le con! C'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais, tu peux lire la description aussi de tes compétences. C'est pas ça. J'ai une idée. Non! Fais un duel. Lance un duel. Shooter. Voilà. Ça va nous déplacer, tu penses? Laisse-moi faire. Ah bah, oui, tu vas, oui, tu veux me tuer, de toute façon. Ça suffit. Attends. J'ai mis Kira en passif. Attends. Comment on fait pour passer en passif? Saute-moi dessus si tu peux. Attends. Non mais je suis déjà focus sur toi. T'es... Recule. Recule encore. Faut que tu sois à bonne distance. Merci. Putain. Du coup, c'est inévitable. Non. Je le laisse en passif, lui. Ah bah, moi aussi, du coup. Allez le dire. Ah, je vais mourir. Ah. Hein? Voilà. Et toi il était pas en passif. Si, j'avais déjà des points de vie en... Et j'avais déjà des points de vie en moi avec ton partenaire. Je l'ai remis en passif. Et le tien, et il était pas. Le tien, il était plus en passif puisqu'il attaquait Kira. Il attaquait Kira, certes, mais moi j'avais déjà des points de vie en moi. Alors, de toute façon, c'était juste pour te débloquer au départ. Voilà, moi je danse. Au moins, je t'ai débloqué. Merci, c'est gentil. Tu devrais être content. Mais putain, on a dû. T'as dû. Solution. Ouais, mais imagine, j'aurais été tout seul. Non, c'est pas par là. Attends, parce que moi, je dois libérer les scientifiques. Il y en a trois ici, justement. Il y en a que trois, de toute façon, à faire. Genre, il m'a attiré à lui, le spécialiste. La solution pour te bloquer quoi. Ah putain, j'avais oublié de renlever le passif sur Kira. Comment on va faire pour grimper là-haut? Moi c'est bon, je te laisse réfléchir et je te suis ensuite. Hein. J'ai trouvé. Je suis coincé. Je rigole. Étranglement de force.
A priori, c'est pas dans cette salle qu'on peut. Bah, j'ai pas l'impression qu'on pourra monter assez haut, hein, si on... même si on monte sur un truc. De toute façon, je partirai pas avant d'avoir ce data crow. Alors, il y en a trois dans la salle, mais il y en a un qui a pas fait le script pour se libérer. Délivré. Bah non, mais j'ai tué tous les ennemis autour de lui, le mec il continue à bosser. Plus de cailloux. Ouais, faudra que j'attende le respawn sûrement. Sur le deuxième, sur le côté là. Il y en a d'autres ici. Bah non, mais viens voir. Vite fait. Non, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres à côté de moi. Ah ok. Ah. C'est quoi la salle qui est au-dessus? Parce qu'il y a un trou hein, dans le plafond. Ouais. Justement, je suis en train de vérifier s'il n'y a pas une zone cachée ici. Attends-moi pour me montrer l'endroit. Non mais... mais je rentre pas dans l'endroit. Oui mais je... non mais si je te demande de maintenant. Non, il y a rien ici. Voilà, c'est bon, j'ai le bonus. Ça doit être quelque part au-dessus. Shooter, ça doit être quelque part au-dessus. Bah du coup, faut reprendre l'ascenseur, on va aller faire ça. Bon, du coup, on va là-dedans. Tu veux aller faire la quête? Ouais. J'arrive. Au moins ça sera fait. Je t'attends dedans à l'entrée. Bonjour. Là on doit détruire les impériaux, moi je vais faire ces deux-là. Pluie de cailloux. Vous nous avez sauvés. Je pensais que personne ne savait qu'on était là. Les impériaux allaient se servir de nous pour des exercices de tir. On a une dette envers vous. Allez vous mettre à l'abri. On va courir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de drapeau impérial. Ouais. Encore merci. Dommage pour toi. Pourquoi? Parce que un certain choix nous aurait donné ensuite un autre morceau de dialogue où on aurait dû tous les tuer. Ah, donc des points de côté obscur. Oui. Vous pouvez pas me le dire. Franchement. C'est triste pour toi. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est pas quelques points en moins qui vont faire la différence. Par contre, c'est mon point dans la gueule. Mais les points où je veux, c'est souvent dans la gueule. Je vérifie on vérifie un truc dans l'ascenseur, ok? Tu veux vérifier quoi? S'il y a un passage dans l'ascenseur. Non, on est trop décalé par rapport à l'endroit où c'est. Je pense que c'est. Je pense pas que non, c'est. Non, mais ça serait pas bête. On le verrait d'ici s'il y avait un trou. Pourtant, j'en vois un. Le trou dans ta tête. Ah non, mais je parlais de toi. Va te faire voir. Oh. Non, je pense vraiment que ça doit être au niveau d'un des autres trucs. Attends. Arrête-toi ici. On va vérifier quelque chose. Cliquons sur l'ascenseur. C'est le truc qui est ici. Ok. Pour moi, c'est la salle qui est à... c'est la salle du centre. La salle qui est à gauche, là, ouais. La force est en moi. C'est cette salle ici. Tu penses? Oui.
pourquoi on peut grimper ici? On peut grimper, mais... Alors, il y a des... Mais ça sert à rien. Ouais, ça fait un genre d'échafaudage pour monter, mais je pense que ça doit être trop casse-couille. Refaisons de la psychologie. Eh merde, Mutsu, viens ici. S'il te plaît. J'en ai marre. Viens te mettre sur le bout de la structure, s'il te plaît, que je puisse te cibler. Vas-y, Lenny. Ah non, ouais. Ça t'a débloqué. Impossible de voir la cible. Faut les faire se redécaler un petit peu, les ennemis. Ils étaient pas vraiment en face de moi. Je te vois même pas. Voilà, reste bien en face. On peut annuler un duel en cours ? Je sais pas. Voilà, c'est bon. Et je l'ai passé en... Je l'ai passé en passif avant la mienne. Au secours, je me fais... Il m'a tapé. À l'attaque. Ouais, il n'y a pas de touche pour concéder un duel. En fait, je me dis. Ah si, capituler au duel, voilà. En fait, c'est le premier choix quand je refais clic droit sur capitaliste, ton... Capitaliste, je veux dire capit... Alors... Je pense que c'est au bout, ici. Moi j'arrête de me bloquer dans les textures, c'est bon. Non, parce qu'en fait c'est juste en dessous de nous. C'est dans la salle d'avant, juste en dessous. Ici l'ascenseur il fonctionne pas, je crois. Si ? Bah si, il est en train de monter. C'est pas à partir d'en bas à cet endroit là ? Non, ça nous ramène à un autre truc qui est encore plus bas. Donc c'est pas ça. Donc c'est pas ici. Je sais où que c'est. C'est là où t'étais. C'est vers là où t'étais coincé, mais bon. Il faut trouver un moyen d'aller en dessous. Il faut trouver un moyen de passer sous les grilles là, ici en fait. Ouais. Tu veux pas te coincer entre deux trucs encore? Non, non, c'est bon. Ça fait deux fois, donc c'est 203. Oh. Non, ça aurait été trop simple. Pour voir ce datacron. À la recherche de l'accès au datacron. Il y a un combat qui est lancé, mais je m'en fous totalement. Mais non, mais c'est moi qui va nettoyer un couloir. Ça ici. Pas derrière ça. Toi, tu veux continuer à chercher en haut, moi je continue à chercher en bas. Je vais faire ça comme ça. Faudrait aller voir à l'autre ascenseur là qu'on n'est pas descendu juste avant. Bah justement, on va voir l'autre ascenseur.
Moi, je pense qu'on a l'ascenseur en réalité. Je pense qu'il y a un autre truc dans une autre zone qui doit nous permettre de remonter à mi-niveau. Et ensuite d'aller jusqu'au machin. Justement, c'est ce que je vais voir. Je crois que j'ai vu un truc du genre. Tu me dis, moi j'attends l'ascenseur. De toute façon, si je trouve, je te le dis. Non, il n'y a rien sous l'ascenseur. Je vais descendre jusqu'en bas et je vais regarder sous l'ascenseur où je suis, du coup. Il n'y a rien ici. Là, il y a des impériaux. Rien à l'ascenseur, sous l'ascenseur où j'étais. C'est cette zone qui me paraît bizarre. Moi, je suis dans une zone avec un genre de réacteur. Non, je suis coincé. Attends, j'ai peut-être trouvé l'endroit, moi. J'ai trouvé. C'est pas là. C'était juste un reflet avec les ombres. Quelque chose. Ah, shooter, je sais où que c'est. T'as trouvé le truc? Parce que je vois des trucs, des genres d'échafaudages qui remontent là où je suis aussi. T'es où? T'es dans quelle zone? L'autre ascenseur que t'as pas voulu descendre. Justement, au début. C'est à l'autre ascenseur. Là où t'es, toi? Je crois que c'est à la chaîne de montage. Je crois. Et donc, toi, tu parles de tuyaux, c'est peut-être ça. Moi, je suis dans la centrale énergétique. Ah, t'es... C'est où, centrale énergétique? L'ascenseur où t'avais pas voulu descendre. Ah, t'es un générateur d'énergie, toi? Ouais. Moi, c'est à l'autre ascenseur qui est à côté du mien. Ok, bah attends, je remonte. Que je vais aller. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça. Bah, je vais d'abord finir de fouiller cette zone-là, au pire. Je te rejoins. Ouais. Je te rejoindrai après, dans tous les cas. Mais s'il y a rien, pas besoin de me rejoindre. Mais s'il y a quelque chose, je te fais savoir du tout. Ah bah t'inquiète, moi aussi. Parce que faire un tas de racontes... Ça fait quelques temps qu'on en avait pas fait. Je crois qu'il y en avait un... J'en avais entendu un dans la salle de l'arène tout à l'heure. Faudra retourner voir, au pire. Il y a l'ascenseur! Non, descends pas sans moi! Alors. C'est une zone remplie d'ennemis là où je suis. Donc vérifions bien l'ascenseur s'il n'y a pas un passage.
Pour l'instant, il n'y a rien. Bon, faut d'abord que je nettoie le chemin. C'est pas... Je suis en train de nettoyer le chemin, justement. Hop, trois ennemis en un seul coup. Employé d'usine. Parce qu'ici, il y a des tuyaux où on peut monter, mais ça nous fait descendre après. Mais la centrale énergétique, elle est plus basse que l'autre zone où on a vu le Datacron ? Tu penses ? Intéressant ça. Ben, y a voilà les ennemis là où je suis. C'est chiant. Je suis dans une zone suspecte. Aussi suspecte que toi. Par contre, il y a beaucoup trop d'ennemis. Avec tous ces ennemis, comment je peux trouver le point ? À force de spammer les ennemis, moi je vais passer un level si ça continue. Je vais descendre. Là, ce qu'on cherche, c'est un passage pour aller plus bas. Non, par rapport à l'endroit où je suis, moi, c'est au-dessus. Moi, c'est en dessous. Oui, toi, t'es remonté au j'ai niveau... J'ai trouvé. T'es au niveau intermédiaire. Oui, je t'attends à la chaîne de montage. Ok, je finis le mob. Ouais, l'autre ascenseur qui était entre les deux. Okay. Je finis le mob, du coup. Je t'attends pile devant le truc où il faut descendre. Des trucs de tuyau en tuyau et j'entends le Datacron, il est en dessous. Ok. Par contre, je vais désactiver mon sprint parce que si je tombe ridiculement, ça oui, bah comme d'habitude, le sprint il va nous casser les couilles. Par contre, je te vois tomber si tu meurs, moi je rigole. Mais j'ai au moins le passage il a été trouvé. Bien fait de le faire ce mob. Puissance, index de critique. Voilà. Ça se trouve, la centrale énergétique, là où je suis, c'est un endroit où on va devoir retourner après. Plutôt que de refaire le tour... Je te vois dans les niveaux inférieurs. Oui, mais plutôt que de refaire le tour par là où il y a tous les ennemis, je suis en train de redescendre par des tuyaux. Et je suis mort. J'arrive du coup, au moins je suis de retour au bon niveau. T'es le seul à crever comme ça. En même temps, essayer de descendre par les tuyaux quoi. Ah mais, t'as entendu ? T'es le seul à crever comme ça. T'es où toi du coup ? Chaîne de montage. C'est l'ascenseur qui est de quel côté ? L'ascenseur qui est tout à gauche. Ok. J'ai voulu j'avais voulu y descendre par là au tout début, mais je pensais pas quand même que ça me semblait trop éloigné. Parce qu'en fait, je viens de trouver un passage qui mène à des tuyauteries qui descendent. Et je vois le Datacron en bas. Ok. Ouais, c'est une zone qui est moins basse que les autres, du coup. Mmh.
J'entends un clavier en train de se faire spammer, c'est à dire que t'es en pleine attaque. J'évite de m'exciter trop sur mon clavier, j'ai pas vraiment de clavier de rechange. Ah oui, cet ascenseur là il descend beaucoup moins bas du coup. Voilà. Faisons de la méditation en attendant. Et là, si tu regardes sur ta map, tu vois là où je suis. Ouais. Je suis en dessous du truc qui est affiché sur map. Et t'as un passage dans les tuyaux. Ça améliore la maîtrise. Nice. Maîtrise plus 4. La drogue. C'est mal la drogue. Oh bah du coup j'ai une bonne nouvelle, je suis niveau 31 dans l'héritage. Tarder à passer niveau 8 en héritage. 9. Non, 8. Moi je vais rester près du Dotacron, j'ai envie de voir quelque chose. Voir si je vais crever comme un caca. Oui. Parce que le dernier saut j'ai failli rater. J'ai quand même perdu 2500 points de vie. Voilà l'endroit, je suis juste en dessous de la chaîne de montage. Ah c'est bon, je vois ton partenaire. Ah parce qu'il est resté en haut. Oui, il est resté en haut. Ouais, je vais me remettre où il arrive. Putain, je me suis relevé. Mais bordel. Le jeu. Je me suis relevé, j'ai désactivé mon sprint, mais il a quand même couru. Pire, le temps que je revienne, les ennemis vont pas avoir pip-hop, ça va être rapide. C'est là qu'il y a un moyen de se TP directement sur son allié. Pour le revive, tu veux dire? J'ai juste une idée. Faire un saut sur toi? C'est ça, en combo. Non. Je sais pas si ça fonctionnerait parce que ça me mettra pas exactement à côté de toi. Voilà. Il y aura une chance sur deux que ça me mette dans le vide en fait, juste après le retour du saut. Vas-y, continue de me montrer cette scène de rêve. Tais-toi. Mais full life, cette fois je médite un peu plus loin du bord. Donc du coup on va faire ça, hop. Est-ce que c'est communication? Non. Célébration? Non. Émotion? Non. Alors, voilà. Mais ta mère! Quoi? Ça a pas accroché le bord! Ça m'a fait tomber en dessous! Viens là, toi. Là. Là.
Merci. Ne bouge pas. Je capitule. Voilà. Oh, le trick. M'en fous. Non, mais là, c'est le jeu qui a été connard avec moi. Sérieux. Et ben, je te propose de directement te téléporter à l'aire de transport, machin truc. Pour rendre la quête. Non, pour aller à la truc de l'arène. La quête qu'on vient de faire ici, faut la rendre où? Dans tous les cas. Oh bah ici. C'est dans cette zone là, donc autant aller. C'est quoi, c'est le sauvetage de l'œil de Link, c'est ça? Ouais. Ah bah oui, c'est dans la zone de... c'est dans la première zone. Donc nickel. Oh bah ça tombe bien, on ira chercher le datacon. Oh putain. La triche fonctionne quoi. En même temps, il fallait pas qu'il soit placé dans un renfoncement. Ça aurait été placé dans un renfoncement, ça aurait pas fonctionné. Bah du coup, je sprinte plus, c'est ça? Attends, j'active le sprint. Voilà. Bonjour. Désolé pour le retard, monsieur. On a eu des petits, petits soucis. Du ordre chute mortel. Bah au moins t'as pu tricher. Oui non mais merci, merci le saut parce que ça me permet de me débloquer en cas de besoin et ça me putain, permet ça d'être en groupe. Je n'ai pas à justifier mes actes. Au moins on s'est fait de nouveaux alliés. Sarcus et ce qui reste des yeux de Lynx, je fais ce que je veux, compris. Si j'ai envie de sauter dans le vide et mourir en boucle, je fais. Voilà. Avec eux, nos prochaines victoires sont peut-être plus assurées. Quoi qu'il en soit, je serai sûrement dans les débris du bombardement sans vous. Je vous remercie. J'ai fait plus que mon devoir, ça mérite une récompense. Oh. Je ne sers pas la République sans recevoir une récompense. Mais les montagnes de crédit n'en font pas partie. Notre prochaine grosse offensive sera pour le quartier général impérial de la ville de Sobrik. Toi, tu demandes des récompenses, t'as pas honte? Argent. Le mec est à l'ordre, le chef de la résistance. Nous a demandé de l'aide. Mais le système satellite nous a empêché de répondre. J'aimerais vous y envoyer. Qu'est-ce que tu fous? T'amuses avec ton coupon. Je vais pas faire jouer avec mon coupongle. Oui, je reconnaissais le bruit. Almor n'est pas un membre de la République. Je ferai savoir ah, le mec, je suis en plein stream, il se coupe les ongles. Franchement. Non, même pas. Les ongles, ils poussent jamais. Je suis certain qu'on se reverra. C'est l'inverse. Mes ongles, ils poussent trop vite, moi. Et niveau 43. Ah, je suis niveau 44, presque 45. Ah d'ailleurs, je te donne devant quelque chose. Mmh. Ok. Ouais. Là ici. Attends. Je revends mes trucs. Parce qu'en fait là ici tu peux acheter des nouveaux skins pour tes partenaires. D'ailleurs je vais vérifier les skins que je peux avoir pour qu'ils aient fait et tout. Ah ici. Ah ici. Là je peux l'avoir en tout vert. Terrain de Cédrax, je peux le changer. Non, ça on dirait la planète des singes. J'ai pas de skin pour Kira. Ah si, il y en a toujours. Taran, Taran. T7. Putain, on dirait Skir. Richard. Ouais, mais c'est spoil parce que du coup j'ai les noms d'avance de tous mes trucs. Ah, il y a 6 trucs de Kira. Autorisation d'apparence des membres d'équipage requise. Ah merde. J'ai pas ça vu que je suis en free to play, c'est ça? C'est ça. Bon bah pas grave. N'hésitez pas. Oh putain. Tiens, et t'as fait le truc de codex ici? Juste là, la caisse au milieu. Elle est belle la Kira. Hein. J'ai même pas fait gaffe. Non mais je t'ai dit, le mois prochain, je prendrai un mois d'abonnement, au pire, histoire de me débloquer les privilèges. Il est où le truc? Là, sur l'étagère. C'est la caisse qui est là au milieu.
Franchement, faut pas en faire des caisses. Donc l'objectif, c'est le nid de la reine. Donc c'est tout droit par là, tant pis si on m'agresse. Fais-toi agresser à ma place. Et là, ils viennent tous sur toi. Ils font... Non mais ils font du drift derrière toi, quoi, pour te suivre. Non mais qu'est-ce qu'on fera pas pour un codex? Pour un codex ou un datacon? Datacon, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des crédits? Tiens, elle a ripop celle-là. Ah non, elle a pas ripop au même endroit tout à l'heure, elle était de l'autre côté d'abord. Je vérifiais s'il j'ai était en train sauter. De... Oui, mais je vérifiais moi justement s'il était en train de monter ou de descendre. YOLO! Bah, j'ai pas pris de dégâts? Non, c'est pas vrai. Ah bah du coup moi en plus pour ma quête d'histoire de classe c'est en haut de la zone. Donc faudrait que j'y aille vite fait. Bon, on va nettoyer un peu la zone. Au mieux dessus, bah j'ai bugué. Ah, allô, à l'huile, j'ai perdu ma cou. Ton jeu qui a planté? Non, j'ai perdu ma connexion. Mais comment t'arrives encore à me parler si t'as plus de connexion? Bah, parce qu'elle vient de revenir. Bah, je te laisse te reconnecter. J'ai sauté de l'ascenseur, j'ai pas pris de dégâts, c'est-à-dire que j'avais perdu ma coupe. Bah moi je t'ai vu prendre tes dégâts. Je nettoie un peu la zone en attendant. Je suis toujours dans la... Non, ça t'a enlevé. Ah, c'est bon, je te revois dans l'ascenseur. Enfin non, si... Sors de là, t'es sous l'ascenseur. Ah ouais. Oh, j'ai failli. Ouais, ouais. J'ai entendu d'attaquer dans cette salle. J'arrive. Je vais nettoyer un peu. Nettoyer la vermine. C'est vrai qu'on a pas... un petit bruit. C'est vrai qu'on n'a pas plus fouillé la zone que ça tout à l'heure. Ben, il y a la balle d'attaquant. C'est pour ça qu'il y a un ennemi d'élite au fond, en fait. Le pire, c'est que je l'ai battu, cet ennemi-là, tout à l'heure, et j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait de truc. Je pensais que c'était du décor, sérieux. Et si là, mon bras? Attends, on est d'accord qu'il y avait une caisse qui a disparu, là? D'accord, il y a une caisse qui était invisible, là. J'en veux pas. Est-ce que c'est par ici qu'on y accède au moins? Non. C'est ça marque qu'on peut... Regarde, il y a un passage
Quand tu te mets ici, tu vois un passage... À gauche ou à droite? Comment je fais pour voir? J'ai besoin de grimper sur ce petit truc là. Ah mais, pousse-toi avec ton gros cul là. Il y a un passage. C'est à gauche qu'il arrive le passage. J'étais juste à côté des ennemis. De quoi, le passage? J'étais juste à côté des ennemis, il m'agresse pas. Parce qu'il venait de rip-hop, ça laisse un temps de latence pour l'aggro à chaque fois. On va tenter un autre truc. Ouais, tu penses qu'on peut sauter genre sur un des rebords? Putain, et lui il ripote là. Dégage, mob de merde. Vérifier un truc. Non. Faut se débarrasser de ses ennemis. Parce que j'ai envie de vérifier tranquillement. De toute façon, on le trouvera, ça sera comme l'autre. On va mettre un peu de temps, mais on va le trouver. Vérifier à droite, moi je vérifie à gauche. Pour les murs, du coup? Ouais. À gauche, j'avais déjà vérifié. J'ai trouvé. Ah bon? Rejoins-moi. Putain, c'est... en fait, c'était tellement planqué. Je vois à peu près, ouais, je vois ce que, où est-ce que c'est, mais c'est planqué en... dans un angle mort, quoi. Là. Putain, mais tu le dirais pas qu'il y a un écart entre les textures? C'est une zone... c'est génial, ça. C'est une zone héroïque. Ça se trouve, c'est pas la zone où l'autre nous demandait d'aller. C'est le droïde au début. Et j'étais en train de lui balancer des petits cailloux. J'aime bien mon sabre violet. De toute façon, toi, la connerie que t'as fait, c'est que t'as plus de cristal de couleur, c'est ça? Mmh.
Sur ce perso-là, j'en ai pas eu encore. Je devrais en avoir un peu plus tard, normalement, dans des quêtes. Si c'est comme pour mon site. Je savais que j'avais entendu un bruit d'Atacron quelque part, mais en fait, il était juste en face de nous. Bah ouais, on le voyait de l'autre bout de la salle, mais moi, j'ai pris ça pour du décor. On n'a pas remarqué. Endurance, celui-là. Parfait pour les tanks, ça. Je suis pas tank. Cassos. Je suis déjà paré. Et moi, ça sert à rien que je me TP. J'ai besoin d'aller en haut de la zone. Quoique, je peux peut-être me TP à l'endroit de ma truc principal. Tes points de vie. T'inquiète pas. Voilà. Je venais d'utiliser un stick. Tu veux pas sauter sur Arène là? Non. Non mais là j'étais en train de perdre tous mes PV parce que Kira elle était pas revenue de ce côté là de la zone avec moi. Elle a fait tout le tour. Pour revenir. Et normalement je peux... Ouais je peux me TP à mon truc d'histoire principale. Il y a un truc de crédit. Moi, celui-là, tu me le voleras pas. Mon précieux. J'ai récupéré. C'est Becky Terrot là, le bouclier percé, c'est ça? De quoi? Magnifique. Et je ne parle pas des kits d'urgence. Ah, bouclier percé. Veuillez excuser mon retard. Ouais. Contourner ces c'est un kit d'histoire de planète, bouclier percé. Bah ouais. Moi je vais faire ma quête principale qui est à côté. Mieux vaut laisser l'ennemi dans l'ignorance que confirmer ses craintes. Votre succès dépend de la discrétion de l'opération. Je vous félicite d'avoir sauvé ce centre et ses patients. J'ai hâte de voir le nouveau partenaire. Moi je devrais le débloquer après cette planète normalement, tu m'avais dit. Moi je dois le débloquer sur cette planète. Ah ou c'est peut-être sur la planète, ouais. Que je le débloque aussi. Toi c'est... T'as pas un PNJ que tu vois souvent là? Si, un mec un peu comme Malavai Queen. C'est l'endroit idéal. Il s'appelle comment? Attends, je te dis ça. Je finis d'abord mon dialogue. Il y a des boucliers déflecteurs partout. On devrait pouvoir amoindrir les forces impériales sans un tir de blaster. L'Empire dispose de plusieurs antennes de communication dans Sobrik, reliées à d'autres bases impériales. C'est un système d'alerte. Comme ça, quand on passera à l'attaque, ils pourront appeler des renforts pour nous tuer. Ou alors, on pourrait faire croire aux impériaux qu'on attaque leurs autres bases. On infiltre les antennes de communication. On diffuse de fausses alertes et on disperse les défenses de Sobrik, laissant la base à notre merci. On n'a pas toute la journée. Si vous avez un plan, exécutez-le. Allez, hop, 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 au travail. Les antennes de communication sont gardées par des droïdes de guerre avancés de l'Empire. Ils sont rapides et extrêmement dangereux. Du coup, le personnage pour moi là que je vais récupérer en compagnon, ça risque d'être le chef de la résistance locale. Se chargera alors du réseau informatique de l'Empire. Un mec avec une moustache. Garde le machin bidule que vous cherchez. Utilisez ce bloc de données sur les antennes de communication pour diffuser les fausses alertes. Je vais me poster à distance pour observer Sobrik. Je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Soyez prudente. Un nouveau sabre. Et j'ai passé mon niveau d'héritage. Il s'appelle Doc. Le mec. De toute façon, ça sert à rien d'avoir un nouveau sabre parce que le sabre qu'on a au tout début, c'est le meilleur. Ah, il s'appelle Doc.
Ah mais c'est ça que t'as fait comme connerie. Bah quoi? C'est mes sabres. Non, ça c'est les sabres que ça m'a donné en finissant mon truc de classe sur la première. Quand on arrivait sur la station. Ça m'a donné ces deux. Ça m'a donné deux sabres. Le meilleur sabre laser, c'est celui. Les meilleurs sabres laser, c'est celui que tu reçois au tout début. Mais comment ça peut être le meilleur vu qu'il fait moins de dégâts et il donne moins de stats que les autres? Parce que tu peux mettre les modules dessus. Oui, mais tout simplement, moi, tu sais très bien que je le fais pas, ça. Donc, j'augmente mes capacités, mes dégâts et tout avec ce que j'ai. C'est pour ça que t'es pas si fort que ça. Bon, ça va encore. Moi, j'ai toujours le tout premier sabre laser du jeu. Sabre laser de consulaire. Il a quoi en statistique, le tien, en dégâts? J'en ai deux, moi, donc attends. Le premier, c'est un sabre laser décoré de roueur, 95-142, 26 maîtrise, 30 endurance, 14 de puissance, 13 de d'index de critique, 211 de puissance de force. Ok. Et celui que je viens d'obtenir, index 78, 112-169, 31 de maîtrise, 37 d'endurance, 16 d'index de précision, 17 en puissance, 251 de puissance de force. Bah moi j'ai le sabre laser du tout début, index 102. Parce que du coup, dégâts... Attends, si oui, t'as entendu. Index 102. Si je prends mes dégâts primaires marqués en dessous, je suis à 335-382. Ça me fait du 62-93 de dégâts par seconde. Après, je verrai. Il y a moins. C'est où que tu vois dégâts par seconde? En dessous de ton perso. Combat approché, dégâts PRI, c'est ça? Non, dégâts PRI, c'était dégâts primaires total. Dégâts secondes, juste en dessous. C'est dégâts secondaires. Moi, c'est bonus dégâts. Les dégâts primaires, t'as combien? 335-382. 366-425. Ouais, alors que t'es même pas DPS. C'est ça. Non, mais je verrai, il y a moyen de les racheter, je pense. Ah si, je suis DPS. Bah, t'es pas heal, toi. Bah non. Ah bon? Mais du coup, les sabres laser du début, il y a pas moyen de les racheter? Ben non. Je sais pas. Peut-être. Il doit bien y avoir un vendeur dans le jeu qui nous permet de racheter des anciens objets qu'on a revendus, je pense. Faudra que je check. Du coup, faut aller... Ah bah, troisième zone, du coup. Je vais me TP là-bas et je vais prendre le speeder. Ok. Sont réservés aux affaires officielles. T'es à quel arrêt, toi, de truc là? T'es à l'avant-poste inférieur Makaran ou à l'avant-poste de Gorit? Ouais, celui que ça montre en violet. Ben, j'en ai deux en violet, moi. Parce que j'ai ma quête. Tu vas faire ta quête d'histoire là, du coup? Elle est finie. Ah, ben, c'est quoi? Ta quête personnelle, du coup, t'as terminé? C'est quoi ce truc de fausse alerte, là? Ah, t'as pris une quête secondaire, c'est ça? Non, fausse alerte, c'est ma quête de classe. C'est pour ça que je te demande c'était à quel machin qu'il fallait aller. Donc je te rejoins pour faire bouclier percé d'abord. Avant-poste de Goriot. Gorit. Je te rejoins pour faire la quête de la planète, du coup, je ferai ma quête après. Ah, mais c'est pas Gorit, soit c'est avant-poste Moreno, un truc du genre. Là.
L'avant-poste Makaran, c'est pour ma quête de classe. Avant-poste de Gorinth. Tous mes points de vie. Comme d'habitude. Ah oui, t'as aucune preuve. Ne guette pas, c'est la quête secondaire de la zone. Pour prendre la quête, il y avait un choix de côté obscur. Veuillez patienter. Examen et recherche de produits en cours. De toute façon, ça donne pas beaucoup de crédit, ces quêtes. Ouais, mais ça, voilà. Par ça contre, permet... après le niveau 50, tu recevras des quêtes qui donnent du 10 000 de crédit ou des trucs du genre. Oui, tu m'avais déjà expliqué ça. Ouais, je t'attends devant Talroth. Ouais, attends, c'est juste, je suis en train de regarder si je peux racheter un truc dans mon héritage. Les trucs de bravoure là dans l'héritage, c'est vraiment utile pour avoir le truc du coup de poing et le direct. Ça c'est pour te battre sans tes sabres laser. Ok, ouais, donc c'est pas spécialement utile à proprement parler, quoi. Ouais. Démacia. Pour le moment, il va me falloir soit plus d'argent. Soit que j'augmente mon niveau d'héritage. C'est quoi l'héritage rural? C'est quoi le rang de renommée? C'est en PVP ça, non? Tu me verras jamais en PVP, moi. Ah non, mais je demande justement parce que je sais pas ce que c'est. Augmente de 2% la quantité d'expérience de renommée obtenue grâce à chaque contenu. Ah, c'est pas pour les contenus HL ça? Si je te dis, c'est-à-dire que je sais plus moi. Non mais du coup faut que je monte à prendre le truc que tu m'avais conseillé là pour les réduire mon voyage. Il me faut 100 000 crédits. Eh hey, mais ça c'est utile, il faut que je l'achète. Tant pis si ça me coûte 30 000 puis 50 000. C'est quoi que tu prends? Héritage d'altruisme. Ça sert à quoi? Et bah, salut Gon, comment vas-tu? Chaque héritage d'altruisme, ça t'augmente de 10% la quantité d'influence obtenue grâce au cadeau de partenaire. Nice. Ah mais je l'ai déjà pris ce truc là. Y'a quelqu'un sur ton live? Ouais. Ohé les Romains! Ohé les Romains, vous êtes des Romaines. Oh putain, et ça y est, j'ai Astérix et Obélix mission Cléopâtre en tête maintenant. petit, allez. Y'a quelqu'un sur ton live? Ah! T'arrêtes de faire ton amnésique? Je viens de voir quelque chose, j'avais un outil de capture d'écran qui était ouvert depuis tout à l'heure. Ah. Il vient de s'afficher, c'est ta tête de kéké. Ah putain, oui, c'est le truc que tu m'as envoyé tout à l'heure. C'est ça. Qu'est-ce qu'il foutait là? Oh, je savais pas si mauvaise matinée. Vite fait ma quête secondaire, hein, c'est rapide à faire. Ah,
Comment vas-tu du coup, gars? Depuis l'autre soir. J'ai pas vu, il y a une caisse de crédit ici. Où ça? Où ça les crédits? Là. Hop, c'est bon, j'arrive. Je viens de découvrir l'emplacement d'un datacron. Encore? Attends, on va les enchaîner les datacrons encore. Oui, parce que si tu regardes bien la map, tu peux découvrir où sont les datacrons. Il y en a un qui est tout à droite, tout à droite, tout à droite de la zone. Je crois que t'en as un autre qui est en bas à gauche. Je crois qu'il y en a deux dans cette zone. T'es où toi du coup? t'es déjà rentré. Attends. Je suis dans le bâtiment en train de t'attendre. Ok. Je crois que c'est les deux derniers datacron. Ah non. T'es sûr? Non. Je crois qu'il y a 5 datacrons du côté de la République. Et oui, il y avait un coffre à Verminville. Comment ça? Merde, je t'avais pas dit pour le coffre à Verminville. Et coffre de quoi? Bah, dans le coffre, il y a un datacron. Ah, ok, le datacron en mode gratuit, quoi. Et non, ça coûte 5000 crédits. Faut acheter un truc à 5000 crédits. Et j'avais vu qu'il y avait une clé à acheter à 5000 crédits et moi je m'en foutais complètement. Mais en fait, c'était pour un datacron. Ok, monsieur. Shooter. Est proche. Tu peux le sentir par la force. Non, c'est plutôt ton odeur. Va te faire voir. Mec. Donc, si on arrive à trouver l'énergie. Ah, on dirait que vos renforts sont arrivés. Tout une escouade. Je comprends pourquoi l'aide de la République vaut la peine qu'on l'attende. À nous quatre, on est une escouade. On accueille tous ceux qui sont prêts à se battre pour libérer Balmora. J'ai demandé des renforts parce qu'on s'intéresse à la ville de Sobrik. Les impériaux y ont établi leur quartier général. Il n'y a que l'argent qui me motive ici et rien d'autre. L'Almora ne se résume pas au profit. Argent. Une histoire et des héros. Le colonel Marik est l'officier le plus décoré de la milice de Balmora. Et c'est notre homme au sein de la ville. Pour Sobrik, on mise tout sur l'attaque aérienne. On se pose sur le spatioport. Surprise. Notre vaisseau de transport est un vieux modèle de la République. Il peut transporter assez d'hommes pour défier l'Empire. Mais le bouclier du spatioport brouille tous les appareils qui n'appartiennent pas à l'Empire. Et toutes les fausses promesses de la galaxie ne le désactiveront pas. C'est dangereux de voler vers Balmora. Quand vous êtes le bienvenu, c'est sans danger. Mais quand vous ne l'êtes pas, eh bien, vous comprenez pourquoi tout le monde se le dispute. On a mis la main sur le disrupteur de Troïda. Le prototype d'une arme qui pourrait transpercer le bouclier de Sobrik. L'Empire a des systèmes de sécurité, et le disrupteur de Troïda ne fonctionnera que quelques minutes. Avec un peu de chance, ça suffira. Mais pour l'activer, il faut suffisamment d'énergie pour pouvoir lancer un destroyer stellaire. Et on ne l'a pas. La seule chose qui a une telle énergie, c'est le réseau énergétique de Sobrik, le plus grand groupe de générateurs de Balmora. J'ai fait que 38. Non, il va parler. Il va dire des conneries. On a vu un générateur, on les a tous vus. Mais non ! Putain, laissez-moi parler. À installer des garnisons très bien armées à chaque générateur. Si vous pouvez déjouer leur surveillance et détruire. Franchement, tu parles pas beaucoup.
On pourra activer le disrupteur de Troïda et transpercer le bouclier de Sobrik. 85. J'aurai cette énergie quand vous en aurez besoin. Je surveillerai le réseau énergétique depuis et je vous contacterai quand tout sera en place. Bonne chance. Yes. Hein? Hein? Quoi? T'en es à combien pour le social? C'est où qu'on voit le social déjà? T'appuies sur C. En dessous de l'amplificateur, t'as truc sociabilité. En dessous d'amplificateur? Hein? Ouais. Ah oui. Je suis au bout de mon social 2. Je suis à 1479. J'en suis à 1480. On a un point de différence. Tu vois, j'ai toujours été le meilleur. Fou, hein. Si être le meilleur c'est devenir nudiste, non merci. Bah tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, moi je fonce vers le datacon. Attends-moi au moins. Non mais dis-moi où il est au moins. Je suis bloqué. Ah, non je pensais que t'allais te TP. Bon déjà on fait les trucs de quête principale. Hein. Il est tout à droite de la map. Dans le renforcement, tout à droite de la map. Ouais, mais là, on va à gauche. Bah, justement, faire un truc de... C'est là. Tiens, je suis aveugle. Censé être nouveau, je pas, ça. Je suis pas lycine, pourtant. T'es pas une fusée? Ok, l'ennemi qui a ripop sur ta gueule. Ça me l'a compté, moi, le match. On dirait pas. C'est la zone de l'empire, ça. On dirait que les choses vont empirer. C'est la même chose qui vient de se passer, shooté. Hein? Comment ça? Là, le jeu il a complètement crash. Encore ? J'ai plus accès à aucun serveur. Ça vient de... ouais, ça m'a fait la même l'autre fois, ça m'avait déco des serveurs, faut reboot le jeu. Ah mais si j'ai le truc du mot de passe, machin truc là, ça va être chiant. Ouais. C'est pas de Star Wars en plus. Peut-être pour ça qu'il y a une maintenance. Bah après c'est peut-être pour ça qu'il y a une maintenance Starframe quand même. Ça vient pas de Star Wars. Bah je l'ai eu aussi l'autre jour, donc c'est bien que ça vient pas forcément de nos connexions. Si je pouvais plus parler sur Discord. Mais là tu... là ça t'a déco du jeu, mais tu pouvais continuer à me parler. Bah tu m'entendais pas au début. C'est moi qui ai une petite perte de connexion. Ça continue, je vais devoir reboot la box. Ça pourrait pas faire de mal. Ça me refait comme avec Kokiri l'autre jour. T'as eu ça quand t'étais en stream aussi? Ouais, sur Halo. Ah. Chapitre 2, l'alliance du drift. Les impériaux réagissent
La République s'effondre. Pour la maintenir à flot, le chancelier suprême a fait du Jedi, Miss Calhoun, sa représentante à l'égard de l'Alliance du Drift. Un regroupement de membres au bord de la sécession. Sécession. Je vais avec mon Alliance du Drift. Quoique même si les ennemis étaient... En attendant, je fais l'objectif bonus. Quoi l'objectif bonus ? Tuer 25 ennemis. Oh, tu te débrouilles. C'était trop beau pour continuer ainsi. Oh, c'est, après, c'est bizarre que ça commence à te le faire sans raison, les bugs. Là. Sur ce, je vais me diriger vers la zone que je te disais, sinon. Attends, du coup, j'ai pas activé les derniers machins. J'ai activé le dernier machin, mais je vais pas au quatrième objectif. Pourquoi ? Je vais voir s'il y a vraiment le truc du datacon. Ok. Si mes instincts sont bons. S'il y a vraiment un datacon là où je pense. Du génie. Sans vouloir me vanter. C'est quoi ça, c'est le rocher du roi lion? Non, je suis pas descendu. Je suis descendu. Fallait pas descendre. Je peux remonter au moins. Décrivez vos symptômes. Apte de service, regagnez votre poste. Les défenses de Sobrik ont été réduites à leur minimum. J'ai fait l'idiot. Participer à la mission autrement que par vos belles je idées. Peux pas laisser ça du je peux pas appeler ça du génie. Depuis quand t'es un génie, toi? Ouais, je me suis bourré de passage en fait. Ça m'étonne même pas. Je suis pas du tout au bon endroit. Si je remarque un problème, je vous fais signe immédiatement. Protégez nos nouveaux amis. Comment je vais faire là? Je peux pas grimper par la montagne ici. Ah, coucou. Moi, j'ai c'est fait pas le truc. Du tout ici. J'ai fait le truc de ma quête d'histoire perso. C'est pas du tout par là. Parce que là, à droite, c'est l'entrée de ta quête personnelle, c'est ça? C'est une nouvelle zone? Non. Ah non, ouais, c'est bouclier percé, c'est pour notre quête principale. Vas-y, autant le faire et je vais me téléporter ensuite. Pour d'attaquer. Thank you.
L'attaque des cailloux. Gros cailloux. Achoum. Tu les as fait voler, quoi. Ah oui, okay. Bah, ils sont les ennemis. C'est moi qui aurai la caisse. Nah. Il est tellement classe mon sabre laser. Merci. Pourquoi je peux pas interagir? Putain, j'ai dû oublier un truc dans la zone. Sérieux? Je crois. Attends, je vais vérifier. T'as pas utilisé la console énergétique? Je crois que j'ai pas fait la dernière. Ouais, j'ai un truc violet sur la map. J'arrive. Ah non, mais en même temps, moi j'ai pas fait le dernier parce qu'à la base on était parti chercher le datacron. Non. J'ai dit que je vérifiais si c'était le bon endroit. D'accord. Donc je t'avais dit de pas venir. Eh, mais vu que t'avais après... pas activé le dernier machin, je me suis dit je vais essayer de te rejoindre comme ça si tu le retrouves. Je l'avais activé le dernier. De toute façon, c'était le mauvais passage vers le datacron. Faudra passer par la route de l'avant-poste de Gorin. Ok. Sinon, tu vois l'avant-poste Boraine? Ouais. Bah, je crois que vers la zone qu'on n'a pas vue à gauche de l'avant-poste de Boraine, je crois qu'il y a un autre datapoint. Ça doit être vers là où j'ai fait la quête secondaire de la zone. Peut-être. Bah, c'est les deux datapoints de la zone. Voilà. Du coup, j'arrive. Oula, je crois qu'on t'a perdu. On va avoir quasiment torché la planète. Hein. Dommage qu'on peut pas créer des loups-garous. Ouais, du coup, on en est où à peu près là dans l'histoire de la planète, tu penses? Bah on a pas mal avancé, il doit rester encore deux trois zones. Ok. On contrôle le réseau énergétique de Sobrek. On peut dévier l'énergie vers le disrupteur de Troïda. Ça y est. Je vous mets en relation avec Beckett Alroth. Le bouclier de Sobrek ne sera neutralisé que pendant quelques minutes. Faites vite. Le disrupteur de Troïda est activé. Le bouclier du spatioport de Sobrek se désintègre. On n'a rien à dire? Je ne sais pas comment vous... Pour le moment, on dirait. Ah. Oui. Vous avez d'autres courses à... Non. Vous serez l'héroïne de Balmora quand on prendra Sobrek. Je vous le promets. Il y a un truc qui me fait laguer dans cette zone. Ces garnisons étaient fortes. J'aurais dû le savoir. Bah ouais, ça fait monter ma carte graphique à 100%. Les hommes de Beckett sont courageux, mais ce ne sont pas des combattants comme vous et moi. C'est l'ordinateur, là, pour reprendre la ville. Entrez dans Sobrek par la grande porte. Combattez l'Empire et rejoignez le spatioport. Les résistants vous admirent. Occupez-vous d'eux jusqu'à ce que j'arrive. Oh. Je ne permets pas Sobrek. Pas cette fois. On se verra à l'intérieur. Ouais, avec la fin de conversation, du coup, c'est revenu à la normale. Donc c'était bel et bien ce que j'ai dit. Alors moi, je me téléporte à avant-poste de Gorinth.
Je veux le Dotacron. Ou les Dotacrons. Dégagez les ennemis là. De toute façon, je te laisse faire les quêtes secondaires parce que sinon tu vas être en retard sur un niveau. Ouais, j'ai déjà du retard en termes de level sur toi. Mais non, je vois pas ce que tu... Ah, par contre, j'espère que c'est pas ce que je pense pour le Dotacron. Parce que moi, là, du coup, je pense, le temps que tu cherches, j'ai le temps d'aller faire ma quête personnelle. C'est la mauvaise nouvelle en fait. Pourquoi ? Ça se trouve en zone héroïque. Ah, comme l'autre en fait. L'autre d'avant il se trouvait en zone héroïque. L'autre d'avant il se trouvait en zone héroïque aussi. Hein. Parce que j'ai... en fait j'y suis. Ah, j'arrive du coup. Bon. Si c'est en zone héroïque, faut qu'on soit tous les deux. C'est pas ça. Mais ouais, c'est dans la une, c'est plus loin encore que la zone où j'ai fait la quête secondaire juste avant. Ouais, normalement, c'est juste tout droit devant moi. Ça. Ça. J'ai toujours pas trouvé la zone. C'est pas ça. On l'a pas ramassé. Ça m'a fait descendre de mon speeder, ça m'a fait l'animation, mais ça m'a pas ramassé le truc. Fait des bruits bizarres mais dessus. Ah. Ah, il est gros lui. Attends-moi. Regarde où je suis sur la map. T'es hors map ? C'est ça ? Ouais. Ah. Attends, c'est que j'ai une caisse. Ah, mais là on est dans le caca. Pourquoi ? Y'a un boss. Tu penses qu'on peut pas se le faire à deux ? On va avoir beaucoup de mal. T'as combien de points de vie ? 7630. Ok, on a 10% de sa vie. Il en a 76 325. En sachant que en tant que Kira, elle en a 16 000, moi. L'aggro va d'abord se faire entre ton partenaire et le mien. Donc, oui, il en a 16 788. Ouais, ça peut être gérable. J'arrive. Alors. À moins que j'ai fait le gros salaud. T'as fait quoi ? Je suis passé derrière lui sans combattre. Voilà. On peut passer derrière lui ? Oui. Ça doit jouer tellement à pas grand chose pour l'aggro. Ah, ça améliore la présence. Ça sert à quoi déjà ? Ça booste les partenaires.
Ah bah nice. Du coup, il a 16 783 points de vie maintenant. Et quoi, ça doit toujours pas grand chose. Pour l'aggro, je disais que ça ne joue pas grand chose que tu prennes l'aggro en passant à côté de lui. Parce que les boss comme ça, la zone d'aggro est plus large. Tu vas jamais trouver de passage. Attends, c'est que j'ai des caisses de crédit moi sur la route. En vrai, c'est un petit passage montagneux qu'il faut prendre. Là. Ah ok, t'es dans la zone héroïque. T'es où hein? Pour récupérer des crédits. Du coup, c'est un peu au-dessus, toi, ton machin. Oui. J'arrive. En fait, tu restes tous les ennemis sur ton passage. Il était sur ma route. Tu me vois? Non, non, je te vois pas, mais je monte la montagne parce que j'ai envie. Là, regarde. Poste légendaire. Putain. Regarde ses points de vie. Par contre, il est très difficile à esquiver. Oui, c'est un champion. 76 000 PV. Il est très difficile à esquiver. Ça va, lui c'est juste un droïde élite. Attends, j'ai une idée. Je vais faire joujou. Ne le touche pas. Je te laisse les ennemis, je vais passer à côté. Ah oui, bah oui. La zone, elle est bien prévue. Hein. Ils auraient pu mieux prévoir la zone pour nous obliger à faire le boss. Qu'est-ce que t'as fait? Viens vite. Attends, je finis le truc. T'as plus le temps? 37. Moins de 37 secondes. Moins de 30 secondes. Je suis là. Qu'est-ce que tu lui fais? Tu le fais danser? C'est avec la stase de force, non? Ou avec l'étranglement? Vous voulez on le tue celui-là? Tiens, moi aussi je peux faire pareil. Ça dure juste moins longtemps. C'est en vrai, c'est parce que je l'ai touché. T'as envie de le tenter le boss? On a fait dans cette zone là, moi après de toute façon je peux repartir de l'avant-poste. Hein. Ça, donc ça t'es me prêt? C'est parti! Gérable. Vous lui avez mis plus de 20 000 points de vie. En
en sachant que l'aggro elle se partage entre ton partenaire et Kira. Toute une caisse du boss, hein, mais j'ai envie de dire, il est en carton. Hein. Mais non, il est surpuissant. Avec le boss, quoi. Quelle puissance! C'était un boss légendaire. Merci. Bah du coup on a eu le data compte présence. Nice. Un data compte présence. Ah oh, ça c'est bon pour les partenaires. Et du coup on est passé à combien Kira? Même si c'est 4 petits points de présence, au moins ça les booste. Moi c'était 20. Non, les datacons ça donne pas 20 points de présence. C'est ce qu'il y avait de marqué dans c'est ce qu'il y avait de marqué dans le dialogue. Non, toi t'as eu 20 points de commandement. Oh. T'as eu 20 points de quelque chose, mais c'est pas de la présence que t'as eu. Ah si, c'était bien marqué présence. Non, dans c'est pas 20 points de présence que t'as eu. Bah dans le dialogue du datacon, il y avait marqué 20 points de présence. J'y peux rien si, si c'est ce qui était marqué. C'est impossible de gagner 20 points de présence avec un datacon, c'est 4 maximum. Peut-être que le dialogue est buggé après. Je suis en train de vérifier s'il y a un autre datacon moi, en attendant. Moi je vais faire ma quête perso. Vite, Sarlacc Bruni. Tu touches le fond là niveau blague, mais tu. J'ai rien dit. Je crois que la zone où je me dirige, c'est là où il y a aussi la quête. Ouais, il y a les deux quêtes par là où je vais. Ouais, il y a des apprentis ici. C'est beau, je viens de trouver. T'as encore trouvé un truc ? Possible. Mais c'est pas sûr encore. Pourquoi il y a un truc comme ça? Un truc suspect? Non, pas un suceur de paix. Sérieux? C'est toi qui as pas le suspect. Ah, tu parles pas de suspect? Le truc au-dessus de moi il est suspect. Mais seulement suspect. J'ai besoin de le confirmer. Encore faut-il trouver une latin dans.
c'est pas ça. Bizarre ce passage ici. Non, je peux pas l'atteindre. Ça y est. Je vais rester coincé donc non. Je suis pas là pour t'aider. Ah bah voilà. Bah t'as trouvé un truc du coup. Des ascenseurs. De toute façon dès que je trouverai, je te dirai. Je suis passé niveau 45 comme ça, sans rien faire. C'est bien, je gagne des niveaux sans combattre. Je te vois toujours niveau 44. Bah, je viens de passer niveau 45 à peine. Ok. Bah, c'est le temps que ça se mette à jour. Là, il y a un pont. Si je traverse ce pont, je peux pas. Il est cassé. C'est le pont qui ramène au centre, hein, ça. Pourquoi il y a des ennemis ici et un tuyau juste derrière? Alors là, c'est suspect. C'est peut-être la zone du datacon. Moi, je me pose à un endroit vite fait et je reviens. J'ai trouvé. Je reviens vite fait, Mitsu. Ok. Heureux. Tu sais ce que j'ai dit quand t'es parti? Non. Ah l'enfoiré. Comme d'habitude. Bah oui. Monsieur Shuta était à la zone suivante. Je t'ai dit que j'allais dans la zone suivante, en plus. Moi je t'ai dit qu'il y avait un datacon dans cette zone. Oui mais de toute façon j'ai rien fait de spécial. Je me TP du coup j'arrive.
Je suis à la zone du Datacron, justement. Je t'attends sur le tuyau. Faudrait que tu fasses le tour par l'avant-poste. Ouais, j'aurais pu me TP à l'autre avant-poste, du coup, en fait. L'avant-poste Moraine, là. Ouais, moi je suis reparti de l'avant-poste Gorinth. Là, il y a des ennemis devant l'entrée du pont. Je peux pas vraiment les éviter. Ah, je suis passé au travers sans les combattre. On me dit pas que j'ai pas tardé à aller manger. Il est 11h15. Enfin, ouais, tu vas déjà manger. Un peu tôt quand même. Non, t'es mort dans un an. T'es déjà un papy. Non, tu deviens pas sénile, moi ça me. Je crois que tu vas mettre un quart de revenir. Là, faut que tu partes vers la route qui va vers le haut. Que tu passes par l'avant-poste et que tu fasses le tour de la montagne. C'est ici, le pont parce qu'il y a des ascenseurs. Parce que toi, t'es en bas, c'est ça? Je suis tout en haut. Je suis sur le tuyau au-dessus de la route. Donc, faut que tu passes un autre pont, que tu ailles à l'avant-poste et que tu fasses le tour pour revenir en haut. Faut que j'aille à l'avant-poste Moraine, du coup, c'est ça? Oui. Bah attends, je vais me TP dans l'avant-poste. Pourquoi je peux pas? Pas encore prêt. Pourquoi ça me dit que mon truc est pas encore prêt alors qu'il n'y a plus l'affichage du cooldown dessus? Bon. Je reviens pour te montrer le bon passage. Parce que du côté du pont où je suis, je peux faire je peux accéder. Parce que... Non. Est-ce que tu vois un pont cassé en l'air? Moi, je suis de l'autre côté, en fait. Coucou. Je te vois pas, t'es où? De l'autre côté. Ah. Voilà. Bah, il faut que tu viennes ici. Donc il faut que tu passes par en bas ici, que tu fasses le tour dans l'avant-poste là-bas. Putain. Vu que tu m'as pas précisé dès le début qu'on pouvait repartir. Je t'ai précisé dès le début. Non, pas pour l'avant-poste. Je t'ai dit qu'il fallait passer par là, faut faire le tour par l'avant-poste. Oui, mais je m'étais quand tu me l'as dit, je m'étais déjà TP. Alors, du coup, avant-poste. Hop, je vais où là? Déjà, je te l'ai dit avant que t'aies FK. Je vais où là-dedans, du coup? Bah, là où je suis. Faut passer par l'intérieur du machin, non? Ah, avant-poste inférieur de Maca, je sais pas quoi, là. Faut que tu changes de zone, vite fait. Pleine de Macran et pleine de Macaran. Ah oui, c'est bon, je vois où t'es, je fais le tour. Tu vois où je suis?
Ouais, ouais, c'est bon, je te rejoins. On va y arriver. Et justement, l'ascenseur, il est devant le truc ici. Oh, moi, je vais grimper l'ascenseur. Ah, il est parti sans moi, cet ascenseur. Au revoir. Les autres, l'autre ascenseur, voilà, il est là. Ouais. Et là, faut que tu suives le petit chemin à gauche. Ok. Un petit passage. On se promène dans la montagne. Je l'entends. Ah bah il est là. Il est là. Oh. Améliorer la tribu maîtrise. Nice. La maîtrise, ça c'est pour toi. Ah, maîtrise plus 4. Oh là là. Tout ça pour les datacrons. On repart d'où du coup, de l'avant-poste Gorinthe? Bah oui, faut faire ça. Ah! Mélo. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? C'est pas ça qu'il faut, c'est pas comme ça qu'il faut descendre. Tu sais que pour descendre en dessous, moi je le fais à flanc de montagne à chaque fois. Examen et recherche de produits en cours. Je vous dis, t'arrêtes de gueuler. Bon bah là faut y aller à pied à la prochaine zone. Parce que toutes mes quêtes sont rassemblées dans cette zone là. Je vais m'arrêter là moi mais dessus du coup j'ai du monde à la maison. Ok. Juste regarder. Hop, héritage. Avantage de perso. Ah bah je peux avoir le dernier cran de héritage d'altruisme. Bon bah moi je m'arrête à côté du vendeur là. Service médical de République. Voilà. Lequel? Ah, celui qui est à l'intérieur de la prochaine zone. Je vais venir m'arrêter au niveau de la cantina. Une cantina? Il y a une cantina un peu... Je crois que c'est cantina justement. Ouais, j'arrive. Je descends à flanc de montagne, moi. Ah! Putain, j'ai eu chaud! Je me suis loupé en descendant la montagne, j'ai réussi à me rattraper. Bon, moi, c'est bien. On a bien avancé. Ouais, comme d'habitude. Enfin, à cause de jeter, on a été. Non, je rigole. Genre à cause de moi, qui c'est qui nous a retardé en voulant faire tous les datacons hein. Et alors, c'est pas important? Un peu. Parce que ça te les débloque pour tous tes personnages. Je sais.
Donc ça me donne des avantages quand je recommencerai des persos. Voilà. Sauf si tu veux te battre. M'en fous, je t'ai battu tout à l'heure. Hey, c'était pour te débloquer, donc voilà. Que toi, je t'ai battu deux fois. Pour me débloquer et pour tricher. Oui, je t'ai battu deux fois. Pourquoi deux fois? Parce que t'as abandonné deux fois, t'as capitulé, voilà. En même temps, c'est parce que les deux autres fois, on s'en foutait de se combattre. Bah, là aussi, je m'en foutais de combattre. On va dire qu'on a fait 60-70% de la planète. Ouais, hein, quasiment les trois quarts. Mmh. C'est plutôt cool. Il reste plus qu'un seul datacron. Ça va être dans la dernière zone, dans la non. zone où on est là. Non, dans la, au tout début. Et on, ah oui, celui à acheter. Verminville. Ouais. Il faut acheter un truc, un PNJ à 5000 pour débloquer le coffre. Et voilà, du coup, je suis là. Je suis à la cantina. Je vais m'arrêter là. Je suis pas dans la cantina, je suis à côté du robot médical. Mais je sais pas, je l'ai pas vu exactement où il était le robot, moi. Oh, je le vois sur la map, mais j'arrivais pas à le trouver tout à l'heure. Bah, au pire, on s'en fiche. Ah oui, si, il est au milieu, en fait. Décrivez vos symptômes. Dire qu'on va, qu'on est fait, qu'on va être social trop. Ouais, c'est plutôt cool. La prochaine fois qu'on jouera. 1497, je suis. Donc en finissant la planète, je devrais monter. Je devrais monter aussi. À moins qu'il me manque un point. Ça serait marrant. Donc sur ce, je vais stopper le stream ici, du coup peut-être une reprise de stream dans l'après-midi sur un autre jeu ou dans la soirée sûrement, on verra. Ce sera sûrement selon la motivation quoi. À la prochaine. Zou. Squalala, nous sommes partis.